Oublié. Ah, je crois que Miguel, il y a quelqu'un qui arrive pour toi là. Nous, à tête sortir, venons ensemble. Ouais, on a un colis pour toi. Tu es magnifique, sérieux. Quand même, tech. Quand même, fais consommer. Arrête, Ace. Ne rentre pas dans ce jeu-là avec moi. Maman. Oh. Waouh, tu devais être magnifique, Carla. Waouh. Écoutez, Vertigo, il est pas là, du coup c'est Radamel le réfé, d'accord? Pourquoi tu es avec ma femme? Hein, dent pour dent, hein, Miguel. Dent pour dent de quoi? J'ai fait tuer ma femme, je vais prendre la tienne, espèce d'enfoiré. Tu as tué ma femme? Non. Camilo de merde, mais en gros, tu as fait quoi de Carla? Tu l'as tuée? Dis-moi la vérité. Tous les soirs, je dors en pensant à ma femme, en pensant à l'enfant qu'elle avait dans son ventre que vous m'avez enlevé ce soir-là. D'accord. Elle a quoi avoir? Tu vas ressentir le même senti que moi, de la tristesse, de la solitude. Partout, je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool, c'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de moi. Buongiorno. Ça va mi corazon? Si, bene, et toi? Oui, pourquoi tu fais la mystérieuse là? Tu regardes la mer en écoutant PNL à l'ammoniac? Écoute pas PNL, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je les écoute là. Je crois que personne ne vit sans regret. Nous on est tout le contraire de Piaf. Ils m'ont dit si tu fais pas ça, t'es rejeté de la famille, tu verras ce qui t'arrivera. Si tu fais pas quoi? Faut que je t'envoie une photo, je te supplie, ne t'énerve pas. D'accord. Je te promets, je vais essayer de tout mon cœur de pas m'énerver. Ne t'énerve pas. Je vais essayer, promis. Surtout encore moins contre moi parce que moi j'ai rien voulu. Surtout encore moins contre toi parce que toi tu as rien voulu de tout ça, Béné. Super. C'est quoi cette merde? N'énerve pas, ok? C'était où? En gros, je t'explique. Libérer mon père. Ils devaient trouver deux danseurs, donc ils les ont trouvés, il y a eu deux danseurs, ok? Putain, tu es vraiment trop bonne, oui. T'as dit quoi? Rien, vas-y, continue ton histoire. En gros, donc, les deux danseuses, elles ont dansé tutti quanti, après le mec, il a dit, écoutez, si jamais il n'y a pas une troisième danseuse qui vient, vous n'avez pas l'argent pour libérer votre personne, nanani nanana. Comment? Okay. On met une photo en fond d'écran, bordel. Du coup, ils m'ont appelé, j'étais avec eux, ils m'ont dit, t'as intérêt à danser, sinon t'es rejeté de la famille... Tu verras ce qui t'adviendra et tout est quoi. Non, on veut pas trop. Moi, je voulais pas. Tu as dansé pour qui? Pour un enfant. Hein? Je te jure, il devait avoir 16 ans, truc comme ça. Pourquoi tu as dansé? Parce que j'étais obligée, je viens de te dire. Par ta famille? Je te jure, par ma famille. Il m'a dit, Tony, si Miguel a un souci, il m'appelle. Et ça leur a apporté quoi? De l'argent. Combien d'argent? Je crois que c'était... Putain, on va pas mettre. 1 million, truc comme ça. Mais ne t'énerve pas, perfect. 1 million? À toi ou à ta famille? Non, ma famille, pas à moi. Et à toi dans ta poche, combien? Rien eu du tout. Rien eu du tout, on va récupérer ces 1 million, d'accord, mi corazon? C'est toi qui as dansard. Il y a eu des photos qui ont tourné sur Twitter, Miguel. Ah, c'est, cette photo, elle tourne sur Twitter? Oui, c'est Vertigo qui m'a envoyé. Tu sais, je commence vraiment à douter de ma famille. Après, en vrai, ça va, tu as ton avantage quand même. Non, mais oui, mais on dirait que je suis une prostituée, là, tu... Non. Oui, mais tu es une très belle prostituée, c'est ça que je veux dire, quoi. Santi! Moi, tu m'as fait trop peur. Ah oui? Ouais, pourquoi Big Santi dans la maison? Ça va, Santi, tu vas bien? Je go. Ça va et vous? Oui, ça va super. On voulait le partir à Liberty? Oui, je vais chercher un hélico. Merci. Oui, Camilo de merde. Oui, Miguel de merde. Oui, Camilo de merde. T'as braqué une banque, toi, on m'a dit? Non, j'ai pas braqué une banque. C'est quoi alors? J'ai braqué une réserve d'or. T'en as fait quoi de l'or là? Ben, je l'ai ramené en lieu sûr, je vais le fondre et le vendre. Sûr, est-ce que t'es un homme ou pas? Pourquoi? Oui, bien sûr, bien moi, sûr. Ce soir, c'est toi et moi la soirée. Là. Ce soir, c'est toi et moi. On danse. On danse? Attends ça. Bon, je connais qu'une seule danse, je sais faire le robot. Ok, ben, t'inquiète pas que on verra bien. Dis-moi, Miguel de merde. Oui, Camilo. On dit que maintenant vous vivez caché dans les bas-fonds. C'est vrai ça? Quel bas-fond? Vous avez peur de sortir? Quel bas-fond? Bas-fond, c'est une image, c'est genre les égouts par exemple. Mais hermano, je suis au barrio là, je suis au barrio, qu'est-ce que tu me parles de bas-fond? Tiens, je suis dans ton quartier. T'es pas dans ton quartier à mentir. Ouais, mais tu es un menteur, tu es pas dans mon quartier. Je suis là, je suis devant, je suis debout sur le toit. T'es un de ces mythos, c'est un menteur, t'es un menteur. Bon, tu veux que je tire un coup de pompe dans l'air? Tire, c'est un nain. Non, je vais pas te tirer là. Vu que tu es pas loin, je vais me cacher par contre, ça c'est vrai ça. Moi, je suis le dernier en train de faire une patrouille. Ah, ok. Bon bah toi, je comprends pas pourquoi il y a que nous, la DEWA, qui s'intéressons à vous. Les autres flics, ils sont en mode vous laisser tranquille alors que vous avez tué un agent, je comprends pas là. Oui, pour l'instant, on en a tué un. Pour l'instant. Ça marche. Bah écoute, Miguel, je te promets que ce soir, on va se voir. Super. Au revoir, Camilo. Au revoir, Miguel, de merde. Au revoir. Radamel, pourquoi tu m'as tapé, imbécile? Radamel, pourquoi tu m'as tapé, imbécile? Pourquoi tu l'as frappé?
Eh, ça va être chaud de conduire là, je dis la vérité. Carla, tu sais conduire les hélicos? Si, vas-y. Attends, vas-y, tu conduis. Oui, oui, c'est bon, pardon. Ouais, tranquille. Ah, du coup, là, je me connais pas, moi je suis un mec du bon, tout ça. Et je viens de penser à un bête de plan. Oui. C'est qu'il y a un faux Miguel, enfin un faux. Un mec qui te ressemble comme deux gouttes d'eau qui traîne en ville. Si, c'est bon. Okay. J'aurais besoin pour un plat. Bah, justement, pour faire comme si on te ramenait à la police, mais on ramenait le faux Miguel. Bon, on faudrait une pièce d'identité ou quoi. Et je te passe une part du Ah merde, vite. Oh, pour avoir de la prime. Ouais. La pression là-haut. Et traîne-nous ce faux Miguel. Genre, t'as vu, j'ai envie de baiser les keufs en faisant ça. Parce qu'en gros, on va essayer de voir pour avoir une avance. Et en mode, vu qu'il y aura, je sais pas. Mais il traîne-nous ce faux Miguel là, vous l'avez? Bah, pas encore, mais genre, je peux l'attraper. Il habite où chez. Attends, je te rappelle, je vais voir pour que. Je vais voir, attends, je te rappelle. Ouais. D'abord, je mange. Mais t'es où? Ok. Quoi? Ouais, je suis avec Miguel là. Ok. Ah! 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 T'es sûr que tu sais conduire? Bah, t'es sûr que tu sais conduire? Il arrive. T'es sûr que tu sais conduire? Non, hein? Contre... Ah, si, je sais conduire, t'inquiète pas. D'accord. Oh, oui, mais toi, t'as hyper bien géré. Ça, c'est juste parce que je mangeais, sinon je suis un pilote d'hélicoptère. Ah, pilote d'hélicoptère. Pourquoi t'as pas piloté? Parce que je mange. Mais vous êtes super mignons tous les deux. Juste dans la voiture rose. C'est un plan au cas où. On vient de la télé-réalité. D'accord, moi, si jamais je suis un balas. Non mais Radamel, il faut vraiment que tu changes ta barbe. Ouais, mais là c'est bon. Mais Marco, on te reconnaît pas, Rebecca. Bah c'est le but. Bah c'est le but du coup. Vraiment. Eh, c'est cool qu'on libère ton père quand même. Mais je suis vraiment très moche quoi. Ouais, ça date pas d'hier. C'est vrai, on libère quand ton père? Ton padrino. Attends. T'as eu ton daron, oui, c'est lourd. Mais il s'appelle comment le mec qui a pas voulu piloter hier? On va lui passer un coucou. Oui, on va lui dire que c'est sans rancune. C'est qui que vous avez au téléphone? C'est quoi son numéro? Je sais plus. C'est pas moi, t'as. C'est qui, Miguel? Non, c'est Vertigo qui savait. Ah merde. Il faut que je sache pour lui dire que c'est pas grave et qu'on est passé à autre chose. Ouais. Bah, je sais pas qui c'est. Je crois que c'est aujourd'hui qu'ils font l'évasion. Ah, c'est pour ça? Vertigo il est pas là et aujourd'hui ils évadent. Quoi, c'est aujourd'hui? Bah, je. Mais ils nous ont pas dit? Mais non. Attendez, je l'ai redémon. Je pensais demain. Non, je vous jure, c'est aujourd'hui, je crois. Allez, voilà, on est dans la merde. Radamel, tu veux une tenue? On l'a dit hier, vas-y, envoie. Tiens, ça s'appelle vacances. Je te jure qu'on va pas te reconnaître, regarde. J'ai très peur. Non, tu vas être beau gosse. Oui, je te jure, mais là, on te reconnaît pas. Voilà, Le tatouage aussi, un petit peu quand même au milieu. Hein. En fait, c'est les claquettes, là, je les ai mis en tout. Ah, il s'appelle Tony, le mec? Bon. Du coup, faut aller voir. Je crois qu'il s'appelait Fernando, le mec qui devait conduire l'hélicoptère. Bah, sinon, on va voir Fernando. Dans notre voiture rose. C'est pas possible, Fernando, il y en a pas dans notre Arturo. Arturo? Un truc comme ça, ouais. Tu manges ou tu veux conduire? Blinders? Non, je mange. Oh, connard, tu crois c'est la route à ta mère? Vous êtes qui, vous? Tu crois c'est la route à ta mère? Tu nous as fait une coup de billard? Bon, attends, toi. Aïe. Allez, hop, ça dégage. Allez, hop, bonne soirée. Toi, tu vas voir. Là tout de suite on va faire quoi? On a le droit d'y aller maintenant ou pas? Oh. Là on va aller voir la famille de mère de Carla pour voir si qu'elle évasionne. Bah là personne m'a répondu hein. Ok je m'arrête. Prenez pour qui là? Ah mais attends mais vous êtes plusieurs. On est quatre, pourquoi? Non mais je rigolais. On est six, c'est vraiment bien, pas quatre. Viens là. Ah, merci pour l'amour. Je t'attrape le coude là, viens ici. Aïe. T'as quoi sur toi? Ah, j'ai rien d'important hein. T'as pris comment déjà? Tu t'appelles comment? Petite salope. T'as de la chance, vous êtes 6 hein. Comment ça? Aïe. Arrête. Allez dégage, dégage avant que je m'énerve avec toi, dégage. C'est pas à qui tu t'attaques hein. Oui je m'attaque à ta mère, allez dégage, connard. Je reviendrai hein. Oui reviens. En fait la tenue de base ça va. Allez remontez. On est une moto du coup. Ce qui est ridicule c'est vous deux. Ah y'a eu un échangement de place pour ça. Mais monte sur la moto. Mais non mais j'ai un cosplay rose, faut que je sois dans la voiture. Ah senti ça. Non, voilà, faut partir vite maintenant. Et Miguel, très vite. Oui, mais aussi. T'es monte. Il va pas aller dans le coffre, Miguel. Ouais, ah. C'est bon, c'est bon. Vous, faut trouver une autre voiture. Bah non, on nous a pas vu avec encore. Mais sérieux, tu as vu comme elle est belle? Oui, c'est vrai qu'elle est. C'est abusé comme elle est grave bonne, mais. Mais... Il y a pas une couille dans le pâté là? Oui, c'est vrai qu'elle a perdu un peu du cul. Elle aurait pu avoir un plus gros cul. Non, Miguel, non, MIG. Il a raison. Elle aurait pu perdre un peu du cul, c'est vrai. Regarde, t'as vu? Oui, je sais que c'est tentant de regarder son corps et tout. Mais regarde le background. La chica qui est à côté? Non, regarde les alentours.
Okay, je regarde les alentours. Damien, envoie-la moi aussi. Je vois un QR code par terre, ou d'autres Tika avec coup de basque. Je vois quoi d'autre? Je vois son... Well. C'est... Oh, elle a mis les chaussettes avec les chaussettes hautes. Avec les petits cœurs. J'ai une autre photo. Et quoi, ça te... Tu vois rien d'embêtant là? Ben, elle est en petite culotte sur une autre femme. Moi plus, je crois savoir où c'est. Hein. Elle faisait une danse avec une autre femme. Je suis très fier d'elle. Bravo Carla, tu es une femme libérée! Quelle ouf. Elle est libérée, non, elle fait ce qu'elle veut. Parce que je vais t'envoyer une autre photo. C'est une femme libre et indépendante. Il dit ça, il y a une arme sur ça. Non mais tranquille, t'as vu? Parce que oui, elle faisait une danse à une femme. Ok. Voilà la deuxième aussi. Waouh! Elle est tellement belle. Waouh! Non, moi j'ai compris, je crois. Je crois qu'il y a des gens, ils font des petites lap dance à d'autres personnes. Elle est libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, c'est une femme forte et indépendante. Moi, Guette, juste te dire un truc. Et parce que t'es mon frère. Oui. T'as vu, prends l'héritage de Shangri-La, baise-la comme il faut. Et dès que tu peux la quitter, quitte-la parce qu'elle va celle qui va te baiser. D'accord. Ce soir, j'enlève le cosplay, ça y est. D'accord. Juste ça. Merci, Aradamel. Ces paroles. Tu es comme un père. Je te jure, Amatalia. T'as enlevé notre cosplay. Bah, toi aussi. Maman. C'est qui, Carla, là? C'est incroyable, la tenue. Ah, mais je vois rien. Wow. Et pendant ce temps, il y a... Père, il a rien fait. Et le pire, c'est pas elle, parce qu'elle, la pauvre, elle a été forcée à danser dans un bar de striptease en petite tenue. Le pire, c'est qu'il y a des fils de pute qui font tourner des photos. Non. Si, genre comme, mais comme par exemple. Que si je le faisais pas, je me faisais tuer. Pour lui, par exemple, tu vois. Attends, mais qui t'a obligé à faire ça? Bah, à ton avis, ma famille. Comment, Louise? Quoi? Pour libérer mon papa. Moi, je sais pas, je n'étais pas là. Je comprends pas, t'as vu, t'as pas vu. Ils rien eu à foutre. Regarde la tenue. Tu veux les voir sentir les photos? Tiens, mets la tenue, regarde, Timon. Non, la mets pas. Rebecca, tu la mets pas. Vas-y, mets la tenue au moins. Non, Rebecca, je la mets pas, sinon je perdrai celle-là. Non, Rebecca, tu la mets pas. Tu devrais la mettre, Rebecca, ça tirait bien, je pense. Donne-la à Miguel, mais donne-la à Miguel, il la met. Regarde, la mets cachée. Au moins, tout le monde voit. Bon, Radamel, écoutez, on rigole bien. Venez voir. Regarde ce qui s'est m'oublie jamais. Maman! Waouh! Tu devais être magnifique, Carla! Waouh! J'ai misé sur le mauvais cheval, j'ai l'impression, hein! Oh putain, non, les gars, je suis bon, hein! Attendez, venez sérieux! Venez, on parle sérieux, s'il vous plaît! Écoutez, Vertigo, il est pas là, du coup, c'est Radamel le réfé, d'accord? Ok. Radamel, c'est toi qui nous dis quoi faire, il y a plusieurs options. Soit on joue un peu les coronesses de Camilo, mais en restant tranquille pour que Vertigo et Lorio, ils sont pas là. Soit on s'occupe de Shangri-La. Il y a plusieurs trucs entre guillemets à faire, c'est après c'est vous où vous me dites si vous êtes chaud ou pas. En gros, il y a quoi? C'est soit on continue notre quête à traquer les DOA, etc. Oui. Il y a ça. Il y a. Ouais, faudrait qu'on ait une petite réunion avec les Shangri-La. Et sinon, chez Griffy, il était en train de vendre des armes. Donc, moi honnêtement, j'ai trop de haine envers la DOA. Est-ce que si on attrape un mec de la DOA, on le tue ou pas? Oui. Non, moi je. Ah ouais? Okay. Tu veux le tuer? Moi, pour moi, on devrait pas le tuer. Enfin, on devrait faire quoi? En vrai, de vrai, ça. Allez, sois gothesque, Radamel. Vas-y, sors la ligne de gothes. Si, parce qu'on va changer rien. De toute façon, on a déjà 1 million de primes. Donc, autant le tuer, autant marquer le coup, les gars. De toute façon. On peut pas en attraper un et on le. Tu sais, genre vraiment en mode kidnapping, un truc un peu plus poussé. Bah, moi, en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est attraper Camilo. Mais t'as vu, lui, il va croire qu'il sera mort, tu vois. Juste en mode, tu vois, on l'humilie, on le ridiculise. En mode, petite baffe. Réveille-toi, tu vois, à tout moment on peut te sauter. Ouais, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est si on en attrape un, on peut jouer avec la tête de Camilo. Genre, le mec, il fait genre, il envoie des codes 99 avec sa radio, on change de pose, on fait bouger le plus de flics possible. Toujours en prenant un coup d'avance sur eux. Ouais. Même. Je sais pas si on a encore quelques explosifs, on peut. Non. C'était pas un par jour Oui, mais il sort pas du ciel. Il y a quelqu'un qui lui donne un par jour. Senti. Ouais. Non, c'est sans moi. Non, c'est pas tu le vends plus? Si, ah, mais pour une bonne raison pour que je le vende. Pas pour que tu te balades et tu dises, ah tiens, il va me servir là maintenant. Ah bah non. Bah vas-y, go faire ça, mais du coup, faut mieux te coacher. C'est vrai que bah, je l'ai mis en rose, je me suis dit, ils vont pas, t'as vu, une voiture rose, ça va. Faudrait une autre coacher. Bah là, on a deux là. Tu la mets en noir, en rose. En noir, ouais, c'est vraiment trop. Ah, mais comme ça, on s'en bat les couilles de la couleur, vraiment. On en a deux là, on a la R6. Ok, bon, de toute façon, on se split, d'accord. Les gonzesses, vous allez avec les gonzesses, et nous, les hommes, on va avec les hommes. Santi, tu fais partie des gonzesses, d'accord. Contre deux. Non, 3. Santi, avec vous. Ouais, là, les cheveux longs. On fait quoi là? On cherche la DOA?
Écoutez-moi bien là, les trois petits là. Oui. Si vous voulez pas, si vous voulez pas que je vous fasse sauter là maintenant, oui. Vous allez me respecter un petit peu. Moi, j'en ai rien à foutre de la mort. Mais t'as compris. T'as non, mais gonzesse pour nous, ça veut dire des personnes respectables. C'est ça, tu protèges notre femme, collègue. Ouais, ouais. Si vous êtes encore là, c'est grâce à moi, bande de poutres. Ça, c'est bien vrai, ça. Te donne la confiance de nos femmes entre tes mains. Voilà, t'as la confiance de nos femmes entre tes mains. Attention à là où tu les mets tes mains, par contre. Ouais. Ouais, mais bon, il contrôle Caillou, quoi. Moi, t'as vu, y'a que Criffé, il peut mal me parler. Ouais, Sanchi, bien. Suceur. Je vais lui niquer ça. Oh, les gars, je suis obligé. À toutes les chicas! Attends, mais il les abandonne ici? Non, je crois pas. Bref, ouais, go trouver. Oui, j'ai peur. Ouais, moi aussi. En fait, là, faut voir s'il y a des trucs sur Twitter, des. Bah, à part Camilo qui a dit qu'il était revenu tout à l'heure, j'ai vu Miguel, il lui a répondu, y'a rien d'autre. En vrai, tu veux pas l'appeler Miguel, tu joues avec ses couilles un peu? Oh, tu prends la température. Regarde, y'a eu un patch. Bah oui, c'est ça, je t'ai dit. Je vois pas sa grand-mère. Non! Non. Y'a marqué Lorio Taliban 999. Hier, putain. Y'a Miguel et Vertigo 1 million. Putain, moi je suis ok. Lorio, elle m'a pris ma place. Oh. Après, ouais, c'est. Il fallait que je sois là hier. c'est le petit connard. Lui, on devait l'attraper avec les Shangri-La, je crois d'ailleurs. Miguel de merde. Oui, Camilo de merde. Tu es où là? En train de faire un convoi là. Direction du Bronx. Un convoi en direction du Bronx? Un convoi de quoi? Ça te regarde pas d'explosifs. Un convoi d'explosifs? Mais ça pourrait me servir moi pour mes trucs. Ah, il a raccroché. Apparemment, il fait un convoi d'explosifs en direction du Bronx. Bronx, c'est à gauche. Vous êtes armé? Oui, toujours. Oui, Mikolasson. Et alors? Oui, du coup, vous cherchez des. Je te manque déjà? Oui, tu me manques. Non, mais sérieux, toi aussi, tu me manques déjà, sérieux. Putain, on aurait dû rester ensemble et pas se séparer. Tu me manques trop. Bah, c'est toi qui sépare tout le monde. Oui, c'est vrai. Aïe, tu cherches des ragazzo de la DOA, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement, Mikorasan. Non, oui. Moi, je peux t'en avoir un tout de suite. Arrête, maintenant. Comment tu peux faire pour m'en avoir un tout de suite? Parce maintenant que, Axel, c'est un agent de la DOA. C'est un agent de la DOA, et Axel, bah, d'accord? En gros, j'en suis sûr que si. Allô. Je lui dis, faut que je te parle d'un truc important et tout est quanti, il viendrait. Hein. Ça va être toi. Mais ça va te mettre dans la merde, non? Jure, tu m'as fait passer. Bah, vas-y. Incroyable, tu m'appelles pas. Tu vas lui donner un rendez-vous. J'ai entendu ce que Radam elle t'a personne, dit. Hein. T'as dit quoi? Ah oui, mais attends, Carla, tu vas lui donner un rendez-vous où à ce Axel? Ouais, c'est ça. On lui donne un rendez-vous. Bah, je sais pas, tu veux que je lui donne un rendez-vous où? Bah, où tu veux, juste tu me dis, moi je, comme ça je laisse dans les parages. J'ai trop fort, vas-y. Tu sais, au café près du truc là, vers Manhattan, truc coffee. Ok, l'île du milieu. Et bah, tu sais quoi, je t'envoie une position du bean coffee, on y va avant. D'accord. Au moins, tu tournes autour. Mais attends, demande d'abord si jamais il est bon, parce que Camilo il m'a dit que c'était en convoi là. Et bah, je l'appelle là, ok? D'accord, rappelle-le. Je te rappelle. Tu me manques trop, putain. La clochette. Radamel, faut qu'on en trouve une aussi. Hein. Moi, elle m'a appelé pour me dire qu'elle me manquait. Miguel aussi. En fait, guettez, moi, je dis un truc, les frères. À partir du moment où j'appelle une meuf, ou même je parle à une meuf, comment dire, je disparais instantanément. Comment ça? Ah oui, c'est vrai. C'est miné, hermano. Il est encore plus surveillé que nous tous, tu vois. C'est pour ça. Avant, j'étais tranquille. Tu vois, c'est là où de ces quatre, il aurait pu servir. Non, mais je crois que c'est la voiture où on avait kidnappé quelqu'un, tu te rappelles? Mais ça date d'il y a deux jours. Oui, ben, ouais, c'est sa voiture. Ah ouais? Et je pense qu'elle est restée ici, ouais. Oui, Mikorasan. C'est à l'homme, Yamor. C'est bon, il a mordu à l'hameçon. Arrête. Il arrive. Il arrive. Vas-y, ben, envoie-moi la position. Si, bah, je t'ai déjà envoyé, tout est fait. Ok, super, mort, hein. Super. Oh là là, ma corazon, tu es trop efficace et trop belle et trop bonne, sérieux. Qu'est-ce que tu as comme défaut, hein? Ah. Non, m'arrête. C'est quoi mon défaut? C'est que j'ai trop écouté ma famille. Hier, j'aurais pas dû faire cette danse. Je regrette. C'est vrai. Bon, allez, j'arrive. Là, il y a un mec de la DOA qui va arriver. Du coup, on change de tenue, non? Ou on. Oh non, bah non, si on le tue, on s'en fout en vrai. On va te savoir si on le tue ou pas, le pauvre. Moi, il y a un seul mec de la DOA que j'aimerais bien tuer, c'est Kairon. Kairon. À part Camilo. En fait, c'est soit on le tue, soit, t'as vu, on rend fou les flics, on leur fait des énigmes, genre code 99, on bouge, on leur fait des trucs, on bouge. Ouais. Mode, le mec qui part dans la radio, mode, il panique, oui, venez me chercher, je suis là. C'est ça, ils ont pas pris ma radio, je suis là, et quand ils arrivent, y'a personne, encore une fois, ou on laisse une chaussure ou un truc. Et là, il y a quelqu'un de la DOA, t'as dit? Oui, y a Axel de la DOA qui arrive, là. Il arrive ici? Oui. Coupe le moteur. Tu sais que même toi, t'es cramé de baiser, Miguel. Vraiment pas, je suis trop discret. Non, je te jure. Je suis comme une anguille sous roche. Ce qu'on fait, on va se mettre sur la terrasse, Ben. D'accord, Mikorasan, tu es trop belle, sérieux. Je te regarde de loin, j'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Comment tu fais pour être aussi belle, sérieux? Vous réagissez même plus. Je suis... Non. Ils réagissent même plus, frère, ils sont habitués, wesh.
Je connais pas, j'aime pas ton passé. Axel, j'ai joué à 2048 en attendant. Tu sais, je ne regrette vraiment pas les choix que j'ai faits. Je ne regrette en rien de t'avoir épousé et de t'avoir choisi toi plutôt que ma famille. C'est de reculer un petit peu. Ah, et toi, ils m'ont envoyé un message ? Il y a plus personne, il y a plus personne. Ils l'ont prise, oh, ils ont pris Carla, ils sont partis. Et ben voilà. De toute façon, c'était sûr, elle allait béton avec nous. Mais Rebecca m'appelle tout le temps. Ils ont quoi ? Ace, ce fils de pute. Oh, bah oui. Non, c'est Ace qu'il faut canner, je crois, la vie de ma mère. Il faut tuer Ace. Ah. Tu te rappelles pas qu'on l'a séquestré ? Oui. Et ça a dit Carla et tout, je crois, mais j'ai... Attends, mais c'est pas démasqué, je sais même plus. Ah, mais ça peut être... Si, elle s'est démasquée et tout aussi, je te jure. Quoi ? Ah bah voilà, pas les vraiment tuer. En fait, je réfléchis à tout et à n'importe quoi, mais je me dis qu'à tout moment, Miguel, ça peut vraiment partir en couille. Oui. Souviens-toi qu'on a tué sa femme à Camilo. Oui. Donc pour se venger, il peut tuer la tienne. Oui. Et ça m'étonne. Ça, regarde bien. Moi, je guette à gauche toujours, regarde. Vas-y, j'ai à droite. Miguel de merde. Oui, Mikorason. Mikorason de ta mère. Pourquoi tu es agressive ? Ah, Miguel. Allô ? Oui, Miguel, allô. Camilo. Camilo ? Pourquoi tu es avec ma. Pourquoi tu es avec ma femme ? Dent pour dent, hein, Miguel. Dent pour dent de quoi ? J'ai fait tuer ma femme, je vais prendre la tienne, espèce d'enfoiré. Tu vas tuer ma femme ? Ouais. Mais elle a quoi à voir ? Tu vois, tous les soirs je dors en pensant à ma femme, en pensant à l'enfant qu'elle avait dans son ventre que vous m'avez enlevé ce soir-là. D'accord. Elle a quoi à voir ? Tu vas ressentir le même senti que moi, de la tristesse, de la solitude, mais de la haine. J'étais premièrement... J'étais même pas là, il faudrait que tu tues la femme de Vertigo peut-être. Et deuxièmement, ben, si tu... Aïe. Si on commence à rentrer dans le terrain des femmes et enfants, ben on va faire pareil avec la DOA, hein. T'as commencé, je crois. Oui, j'ai commencé, mais pas avec des innocents, avec des gens de la DOA. Peine innocente, t'as fait partie d'une mafia, c'est pas ton cul. D'accord, comme tu veux. Amas pas une pause. Vas-y. T'as dit quoi ? Ils sont derrière. Ils le suivent, je t'ai mis la pause. Non mais les poyos ou... Oui, car là... Ouais, ils les ont, gros. Je peux pas ouais. Ah, le téléphone, il y a des galères. J'ai même les trainees qui m'appellent. Mon téléphone, il va exploser. Ils m'ont dit, on le suit, mais notre voiture est plus la merde. Dis-lui qu'il continue à envoyer des pauses. J'en ai plus. Bah, dis-lui qu'il continue. Ils sont en poste. Voilà, mais non, je pense qu'ils suivent les mauvaises personnes. Mais ils ont suivi la voiture noire de tout à l'heure. C'est impossible, il m'a dit, on va la tuer. Il va pas la tuer au poste, à moins qu'il bluffe. Il rentre juste dans ta tête, hein. Ils ont fait la même avec Vertigo en mode ouais, on a tué Radamel tout la nuit. Au final, ils tuent pas des gens, t'es pas des tueurs. Juste ici, c'est des mecs qui nous frappent et tout quand ils sont solo, mais c'est pas des tueurs, vraiment. C'est comme je vais reprendre les gants, je vais remettre une prime sur la tête de chaque Trini, de chaque DOA. Moi, attends, je vais appeler le gang que j'ai. Oh putain, Rebecca m'a appelé, elle m'a niqué mon message. Allo ? Faut qu'on change de voiture. Hey, t'as appelé qui, Louis ? Les Trini. Et ils sont chez eux ou pas? Attends. Je leur ai dit 35k pour Kairon de la DOA, 40k pour Camilo. Je vais mettre 50. Oh, on va être suivi. Attends. Oh là là. Pourquoi il y a autant de gens qui vont en dernier là? Je sais pas, mais c'est que des Poyos. C'est que des Poyos, Miguel. Prends à droite si possible maintenant. Juste, ouais, tu fais semblant, tu vas. Et t'as vu, ils s'en battent les couilles. Ouais, c'est urgent. Vas-y, va là-bas, va. Non, va pas. J'ai appelé l'avocat, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se voir à le dernier ? Il y a tous les filles qui vont à le dernier. La vie de ma mère, je lui fais plus confiance. Mais c'est qui les gars ? C'est pas un truc. Attends, je vais voir si c'est la pause, quand même, pour être sûr si c'est l'avocat ou pas. Et tout le monde va là-bas. Oui, mais est-ce qu'ils vont à la pause ou est-ce qu'ils vont dans le nord, tu vois, un truc comme ça ? Parce que là, Camilo, il aurait dit, c'est une voiture rose et tout, exemplaire rose. Donc je pense pas. Encore ? C'est pas changé depuis 4 jours. Enfin, je pense vraiment pas que c'est un traître, John Hunt. En fait, il y a aucune raison qu'il nous trahisse. Mais t'as vu, je suis trop parano là. Oui, mais. T'as vu, tu. On est pas H24 avec lui, tu vois ce que je veux dire. Après, il a quand même la vidéo où Carla est tué un mec, il a quand même beaucoup de trucs. Hein. Les traînés, ils sont là du coup. Ouais, Carla m'appelle. Allo ? Belle de merde. Mais putain, c'est jamais Carla ! Ma possession, Carla. Tu l'as encore ? Ben libère-la ! Non. Ben. Moi, j'ai mon cœur attristé, il faut bien que des personnes aient aussi. D'accord. Tu vois, Miguel ? Oui. Il y a quelque chose de bien dans toute cette histoire. C'est que tu m'as permis de voir quel homme j'étais finalement. Mm-hmm. Et du coup, je suis prêt à tout pour les éteindre. Surtout que. Camilo ! J'ai appris que Vertigo était celui qui avait tué ma femme. Oui. Mais ce que je veux te dire,
c'est que le problème, c'est que tu vas la tuer, mais c'est pas ça qui va faire revenir ta pute de femme en vie. Tu comprends? Tu respectes, ok? Mais en vrai? Non, je compte pas la tuer. D'accord. C'est simple. Tu comptes faire quoi? Tu comprendras ce que je compte faire avec elle. Donc bientôt. Là, t'es plus au commissariat avec elle, là? J'étais au commissariat. Bah, tout à l'heure, je t'ai vu. J'étais au commissariat. Comment ça, t'étais au commissariat, ton enfoiré? Bah, moi, j'étais au commissariat, moi, je suis infiltré, je vois tout, je sais tout. Il est au commissariat, effectivement. D'accord. Je vais me mettre quelque part où je pourrais être tranquille pour négocier avec la personne. Ça marche. Dont j'ai besoin. Ça marche, bisous. Ok, donc il est plus au commissariat et je te jure, je mets mes deux mains coupées s'il fonce pas dans le Bronx. Mais vraiment, hein. Il va fouiller de fond en comble. Là, il m'a dit, il va aller à un endroit pour négocier tranquillement. C'est que même ça, tu sais très bien que c'est un guet-apens qui vont arriver à 50 voitures et. Non, parce que. À moins qu'il m'ait menti qu'il soit au commissariat. Miguel. Oui. Est-ce qu'on fait un truc qu'on n'a jamais fait? C'est que on a, t'as vu, on peut se considérer comme au-dessus d'un gang maintenant. Oui, un peu. On a besoin de renfort. Oui, un peu. Tu veux un truc comme ça, on appelle des gangs pour qu'ils viennent. Comme ça, on n'arrive pas à 4 ou à 5. T'as vu là, lui, ah, j'ai contacté des. Lui, ouais, ça, lui il veut faire le mec qui arrive en nombre. Bah là, on peut faire pareil. Au mode, s'il faut, on arrive à 10 ou à 15. Oui, il faudrait. On peut faire ça, je pense. Là, j'ai contacté deux gangs là déjà. Voir les 50, dans le quartier, à droite. Ah ouais. Il y a un commissariat ici? Non, un ancien. Il y est plus? Ouais, là tu fais droite et on va voir les 50. Ah, tu peux même passer par là. Ouais. S'ils sont là, eux, ça serait incroyable. Mais ils traînent pas ici, ils traînent en bas à gauche, au début. Ouais, je crois qu'ils sont là, ils sont là-bas, ouais. Ils ont le choqué. Faut parler à tout le monde. Faut parler aux 50. Ouais, le mec. Ouais, les gars, il est là le 50. Comment ils sont là, Mitch et tout là? S'ils viennent juste de partir, les gars. Tu peux les appeler urgent ou pas? On les appelle? Ouais, urgent. Au nom de qui? Julien, c'est Vagos. Vagos. Mais donne-le du numéro et on les appelle. Viens quand tu l'as cherché, c'est mieux. Eh vas-y, donne-moi le numéro de Mitch. Vas-y, je te donne. Attends, bouge pas. Mais Miguel, il y a un Poyos qui court au milieu de la rue, ils vont le prendre là. 21-96, ouais. Mitch. Mais là, faut pas qu'ils prennent des Poyos, c'est la DOA qu'on veut pas, les Poyos. Ok, bah je l'ai dit, mais. Ah, en fait, ouais, les 50 c'est bon. Oh là là, je crois qu'ils sont déjà en train de le prendre. Tiens, mais ouais, s'il faut pas. C'est quoi? Rebecca et tout, ça rentre de prendre un. Ouais, le faites pas, hein. C'est un mec de la DOA ou c'est un Poyos? Juste Poyos? Et il le relâche, non? Faites croire que c'est pour un autre truc que pour ça, pour pas qu'il se doute. Putain, on fait quoi? Au rendez-vous, on arrive avec un otage en plus ou pas, Miguel? Comment? Au rendez-vous là, on arrive avec un otage en plus ou pas? Parce qu'ils l'ont maintenant. Si on arrive à 10-15 plus un otage. Je suis pas trop fan. Non. Faut trouver un truc. Faites comme si. T'as vu, faut trouver une solution comme quoi vous l'avez pété. Attends, je vais faire toute la côte comme ça j'ai le cœur d'être. Ok, 50, je peux appeler les trainees aussi. Putain, ils sont là. Tu casses les couilles, Miguel, c'est une dinguerie. Mais non, mais on va pas à 3. Bah non, on peut pas. Comment ils sont? Mais ils sont. Bon, là, je pense qu'ils vont bouger. Du coup. Ils remontent. Je sais pas comment je fais, je te jure. Attends. Putain. Faut appeler. Appelle. Je reviens être keuf, ça fait peur, les mecs. Ah, et après Miguel, je serai keuf. Attends. Bon, on voit où est-ce qu'ils vont. Ça peut remonter encore. Hein. Avance un peu. Ah, voilà, ils sont là. De coacher, ah, c'est compliqué. Il y a 7 gars possibles à les traîner. Miguel de merde. Oui, Kabilo. Tu pourras. La ville n'est pas assez grande pour que tu échappes à mes yeux. Droite, c'est. Mais quand tu vas voir mes invités, tu n'auras pas envie de venir. Oui, mais ne m'oblige pas à appeler les miens, Camilo, d'accord? Donc libère Carla. Si tu veux pas que ça parte en bel sang, pour que la prochaine fois. Écoute Camilo, attends, écoute-moi. Tu oses me dire, tu veux pas que ça parte en plein de sang, oui. Tu as battu un agent. Camilo. Tu as laissé une femme et des enfants seuls. Camilo, écoute, je vais te dire un truc. La ville n'est pas assez grande, tu pourras pas te cacher. Là, ça fait deux fois que je vous trouve. Écoute, la troisième. Écoute-moi. La troisième, je vais venir avec plus de gens et on va vous tirer dessus. Donc si tu veux éviter ça, cherche-moi à moi plutôt que d'attraper Carla. On ne veut pas toi pour le moment, on a des occupations. Et si tu viens avec plus de monde, ben ça partira en bain de sang. Ben ça va partir en bain de sang pour rien, c'est dommage. Alors qu'on pourrait juste libérer Carla et on pourrait se voir. Oh non, t'inquiète pas, on n'a pas envie de voir pour le moment. On se verra un peu plus tard, Miguel. Pour l'instant, on a un rendez-vous prévu avec quelqu'un d'autre que toi. D'accord, Camilo. Mais je vais vous trouver encore. Hein. Tu le sais. Tu sais que la prochaine fois que tu vas apparaître, tu recevras des balles. Tu sauras pas si c'est moi. Tu auras toujours un doute. Code rouge. Dès que tu verras une voiture, tu vas te dire putain, c'est Miguel ou c'est pas Miguel? Tu vas vivre comme ça jusqu'à la fin de ta vie, Camilo? C'est pour ça que je suis payé, ami. C'est très adorable. Payé pour faire ce travail. D'accord. Je suis pas payé. Super. Va chez les trainees un coup.
Je te fais un résumé. Là, il y a 7 Rini qui vont nous attendre prêts à partir, habillés en noir, la même tenue. Faut qu'on fasse pas avec un autre gang. Ils m'ont pas encore dit qu'ils étaient prêts, mais en gros, ils sont en train de se préparer normalement. Je suis là, donc ce que tu peux lui dire, tu peux me le dire. Ah, mais dans tous les cas, il va te le dire. J'ai besoin que vous préparez là. Tenue noire, prêt à partir, armée. On est déjà prêts, on est déjà prêts. Vous avez la même tenue, tout ça? Vous êtes en gros bon. Prêts à partir? C'est bon, on est prêts. En fait, faut voir ce que vous avez envie de faire. Soit on fait une arrivée massive. Ah merde, putain. Pardon les Trini, mais faut pas faire des contre-sens. Vous êtes morts. Grosse force, les gars. Force à vous. En fait, faut voir, Miguel, ce que vous voulez faire. Non, une arrivée nombreuse ou en mode on en fait, prend get, au cas get. Où on se fait baiser. Là, le truc, c'est que... t'as vu Camilo, il va commencer à déployer d'autres unités et tout. Ça va être encore plus compliqué. Là, t'as vu, il y avait déjà le SWAT avec lui, je crois. Là, c'était pas que le DO. Ouais. En fait, c'est ça le problème, c'est que si Camilo, il... Oui. J'ai trop eu de la chance. Si Camilo, il amène le SWAT ou d'autres trucs, nous, on peut pas rester que entre nous, tu vois. On va être obligé d'appeler des gangs. Si ça part en une guerre totale en ville, ça peut être... C'est pas ouf, hein. Oui. Oui, c'est explosable, hein. Ouais, beaucoup. Ah, ok. Moi, honnêtement, moi, j'aurais pris Ace en otage. Il fallait voir les GS9 à gauche, il nous faut du monde. Ils seront prêts aussi, je sais pas. Faut voir. Ace, on l'aura pas. T'as vu maintenant? Il doit être au courant que je te jure qu'on l'aura pas. Oh, mais Camille, il t'a dit pourquoi il veut pas la lâcher ou pas? Il m'a dit il a un autre rendez-vous. Il a quoi? Il m'a dit il a un autre rendez-vous. Mais à tout moment, je sais pas. Les Trini me demandent, on leur donne combien pour ça? On peut pas faire ça gratuitement, c'est vrai que là. Et tout à l'heure, Miguel l'a dit, store refait quand il est pas là. Dis-leur soit réduction, c'est vous qui voyez, soit réduction prochaine commande d'armes, soit. En fait, ce que j'ai peur, c'est que t'as vu si on appelle des gangs, que ça parte en police contre gangsters. Ah, mais c'est pour ça, c'est que, good, moi t'as eu de base, je suis pas très fan de ce délire-là, parce que bon, t'as eu les gars, on va pas se mentir, t'as eu ces cars-là, c'est pas quelqu'un de... T'as eu certes Miguel, sa femme et tout, mais... On est d'accord, on va pas se mentir que 4 contre police, mais c'est compliqué, en fait, quoi. T'as vu, nous on peut se gérer, mais on peut pas les gérer eux, t'as vu, à tout moment, je sais pas, y'en a un crack qui tire, ça part en couille, c'est fini. T'as essayé de le mettre dans la tête de... Le gang, voilà. Le Camilo, là, mais... En fait, c'est ça. En fait, je comprends ton truc, mais je comprends aussi qu'on peut faire ce qu'on veut. À 3, 4, c'est compliqué, quoi. Oui. Et là la voiture, on pouvait même pas l'arrêter. Nicole, il donne des oui, mais il nous aide pas trop sur la décision. Non, mais c'est pas moi qui décide, hermano. Mais Vertigo, il est pas là, t'as plus besoin de hint. Aide-nous un peu. Mais non, mais c'est Radamel. Moi, je cherche Carla. Mais t'as pas dit que t'allais hint Radamel. Non, je vais pas hint Radamel, promis. Du coup, c'est laquelle la potentielle décision que tu préfères? Entre quoi et quoi? Entre se débrouiller entre nous, tout ça, ou potentiellement faire appel à d'autres gangs. T'as pour arriver à notre fin, c'est mieux d'avoir l'aide des gangs. Pourquoi vous avez mis les mots de mode? Moi j'ai peur, ça part en flic contre gangster, genre dans toute la ville. Moi écoutez les gars, t'as vu, je vais être honnête avec vous. T'as vu, Carla, c'est des bêtises. Oui, c'est joli, c'est la ma femme Miguel, mais j'en ai un peu rien à foutre, honnêtement. Il m'appelle. Okay. Oui, allô? Allô Miguel, c'est moi. Oh Carla, ça va, tu vas bien? Si, ça va, ça va. T'es sur le haut-parleur? Oui ou non? Oui. D'accord. Dis-lui si c'est le dernier, elle dit je t'aime, si c'est machin. Ben pourquoi tu m'appelles alors? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que je dois lui dire quoi? Elle est sur le haut-parleur. Il te dit, t'es un homme, tu dois porter... Mais aïe! Tu dois porter Mes couilles, oui, mes couilles. Faire tes couilles. Je comprends rien. Allô? Ah. Oui. Compris. Tu dois porter tes couilles. Voir, je dois porter mes couilles, d'accord. Et c'est-à-dire après? Et venir tout seul à la position que je vais t'envoyer. D'accord. Je vais y réfléchir, mais je pense pas, parce que... Je vais pas mettre ma vie en péril pour toi, hein. Si. Je comprends. Bon, et t'as raison. Bon courage, au revoir. Je crois qu'elle disait genre... Al... Ah ouais? Va voir les champs, Greta. Moi, je te dis. Non, pas les champs. Non. Elle a dit qu'ils avaient abandonné la maison. Peut-être la salle de torture. Je sais pas, mais je dis, mais je sais pas si... Je te jure... Je sais pas si je suis fou ou pas en fait, c'est ça le problème là. Bah, parce que, genre, j'entendais comme si elle voulait me dire Al, mais. Ouais, le dernier. Et pas trop, je comprenais pas trop. La salle de torture, on a emmené Ace. À tout moment, il sort pas et il est là-bas aussi, hein. Non. Parce que Ace, il avait un sac sur la tête. Oui, mais du coup, oui, mais ils savent pas que c'est ici qu'on a emmené Ace. À tout moment, tu sais, juste. Ah, mais personne connaît l'endroit où. Okay. On est allé, c'est pour ça. Enfin, c'est très. Bah, il y avait un panneau police devant, c'est pour ça, tu vois. Dis au Trini déjà de venir à la dernière. Ça fait peur de s'aventurer dans les trucs comme ça là. Oui. Je te l'ai dit, go à le dernier, faut fouiller l'île. Ok, m'envoyer. Sud de la dernière, préviens les Trini. Sud de la dernière, elle m'a envoyé la pause. Et venez à le dernier. Au sud, dans le sud, après de la fonderie. Je vous tiendrai au courant, ok? Dealer, près de la fonderie, Radamel.
près de la fonderie en gros et c'est zoné vers là-bas. Maintenant, maintenant, ils y sont, elle m'a envoyé la position. Ouais, faut qu'ils arrivent en noir, faut... c'est même pas. Ils sont pas, ils sont pas disponibles, ils sont disponibles que dans 10 minutes, c'est pour ça. Putain, t'as pas notre gang là? C'est go, go, go. Attends, et si? Et si c'était pas vraiment Carla qui m'a envoyé la position, mais Camilo qui fait genre. Pour que je vienne et que je me mette dans la gueule du loup. Soit massif, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dessus, je leur ai dit près de la fonderie, vite, ils m'ont dit on est dessus. Fais gaffe, la voiture fume un peu. Soit on les attend et on arrive tous ensemble, soit on continue à se séparer et... Tu la vois la position? Non, non, Radamel, oui. Oui. Si, tu la vois, ouais. Ah, c'est Ah, c'est fonderie, là on... exactement où on a fait exploser la couture. Viens, on attend là et je leur envoie une position, Pierre. On va baiser les trignies. Je vais leur dire, vous passez par un côté, on passe par l'autre et on va pas passer par l'autre côté. Je suis désolé, mais faut servir des gens comme un level up, hein. Comment on appelle ça? Un power up. Sûr, sûr. Oui. À gauche, prenez la bretelle et on est là. Regardez, on est en train de descendre. Je lui fais demi-tour en gros. De toute façon, on fait demi-tour, on descend la bretelle, on repart. Non, on passe par là. Hein. Tu passes par là? Ouais, ouais. Comme tu veux, t'as vu. En tout cas, vois avec eux maintenant. C'est quel ok? Attendez, venez, je vous montre la position. Oh là! Laissez-moi dans la voiture, côté passager. Salut, ça va? Ça va? Ça va. Tu la vois la position? Ouais, c'est bon. Ok, vous passez par là. Passez par en bas, nous on passe par en haut. D'accord? Allez, vas-y. Et on essaie d'arriver en même temps. Vas-y, allez. Bon courage. Qui est cette voiture? Attends. Quoi? La voiture de haut, c'est de haut. Ah ouais, en dessous, c'est de haut. Fais demi. Je vois pas. Fais le traîner. Fais demi. Ah. Attends, peut-être ils vont remonter. Fais demi-tour sur les deux voitures. Faites demi-tour sur les deux voitures qui viennent de passer. Ah, ils montent. Ils montent sur nous. On fait un barrage, on fait un barrage ici. De les bloquer. Dépêchez-vous. Bombardez, on fait un barrage ici, nous. Faut les barrages en dessous. C'est go. Ah, mais je crois qu'ils sont descendus encore. Il y a une autre bretelle. Ouais. Go, faut aller, hein. Ils sont en train d'arriver. Ouais, ils sont redescendus. À gauche. Ils sont passés à gauche. Là, vous les voyez. C'est eux qu'ils font. Vas-y, go, faut y aller. Vas-y, go, les tapes. Allez-y. Des ouf, à l'ancienne, non? Ça fait taper des voitures. Ouais. Wow, Miguel, c'est encore des bons réflexes. Ils sont partis à gauche. Faut pas qu'ils me suivent à moi, putain, merde. Allô? On vient de les prendre en chasse. Je t'envoie une pause. Il y a trois voitures noires, tu vas suivre. On les a perdus là? Ouais. Bah, tout à l'heure, j'ai même pas réussi à les voir. Ils ont bardé pour moi, ils sont à gauche. Ils vont trop vite, la voiture. Ouais, c'est une dinguerie, par contre. Je pense pas qu'ils ont vu les deux coachs, hein, avec nous. Si, ils ont vu, c'est sûr. Putain... Allez voir au pont. Ouais. Partez au pont. Partez de vous-même. Là, j'ai pas de... Putain... Je crois que tu nous aurais déposé à Rebecca, comme ça, s'ils nous rejoignent au moins, on n'est pas tout seul. En fait, ça bombarde trop, sa mère. Là, c'était que deux coachs, donc... T'as l'impression que c'était rempli, les voitures, toi? Je sais pas. Pour qu'elles aient si vite, je pense pas qu'elles soient remplies, hein. En gros... Attends, ça dépend vraiment de combien t'es? Oui, ah ouais. Oh putain, oui, moi j'y croyais pas au début et en fait c'est une dinguerie. Si. En fait, en moto tu le ressens. En moto c'est le pire. Oui, en moto oui. Mais en voiture c'est pareil. Je t'avoue que je sais pas trop. Pour moi ils sont retournés là-bas. Hein. Oui, c'est sûr. Ah non, là-bas, non, moi je pense qu'ils sont partis. Hein. Ah, je pense vraiment. Ah ouais. Oui, sûr. Là ils partaient. Pour moi ils sont pas sortis dans le dernier. Pour moi ils sont tournés à gauche et c'était pas direction sortie. Hein. Mais Armano ils partaient. Attends, parce que l'autre il me suit. Ah ok. Mais t'as vu, je sais pas si vous avez remarqué les gars, ils ont pas appelé les autres proyos parce que en gros ils ont vu qu'il la tient en otage, tu vois, c'est un truc qu'il faut pas faire, t'as vu. Ouais, c'est eux et nous là, je te jure. Ça, ouais, c'est vraiment, donc là, ouais, on va les baiser, la vie de ma mère. Oh, en passant ça dessus, j'ai vu un truc de fou sur TikTok à faire, si on est suivi. T'as vu quoi? Tu fais genre que t'as pu descendre, t'accélères, tu ralentis, et dès que les filles qui descendent, ouais, tu je te dis, tu vois à quoi ressemblent les coachs de la DOA là. C'est dur, hein. Ils sont le dernier. Demande, c'est des Buffalo. C'est des Buffalo, c'est quoi comme voiture, comme banalisé? Ouais, c'est un mélange entre c'est Buffalo. Des Felon. Ouais, Felon, c'est pas la DOA. Felon, c'est le capitaine. Ok, vas-y, on va commencer à venir vers le sud pour essayer de vous aider. Ah ouais? Vas-y. Bah non, vraiment pas. Ah, je dis ça comme c'est raccroche. Ok. Vous êtes des fous, les gars. Ça y est. En vrai, là, je te jure, c'est maintenant qu'il faut tourner. C'est eux ou nous? Là, faut en profiter au max. Par contre, du coup, on sait qu'il y a des Felon full M4 qui tournent le dernier. Oh! Non, barrage. Va juste devant, t'inquiète, de toute façon. T'es sûr? Non, je suis pas sûr, moi. Là, tu fais demi. Attends.
Pire, je prends la voix de beauf et on peut bon, bah, non, non, ça passe ont... pas du tout. Ils ont mis des airs. Les gars, on va devoir le nager, hein. Les gars, moi j'ai encore un. Des bombes d'oxygène. Des bonbonnes là. Ouais. Merde. Les gars, ils ont bloqué à l'air. Mais ils ont bloqué à cause des chenilles, je pense. Pas à cause de nous. Bah, à tout moment, non, bah à tout moment, je pense à cause de nous. Parce qu'ils ont dû faire l'école parce qu'ils ont vu qu'on était plusieurs au final. Oui, oui, non, mais en gros, les Trini se font poursuivre par les Poyos. Et ils ont pensé que les Trini c'était nous. Je pense qu'ils veulent juste les arrêter, c'est pour ça qu'ils ont fermé le pont. Est-ce que c'est pas le moment d'aller voir la poste que Carla t'avait envoyée? Oui, si tu veux, mais ils sont plus quoi. Ils m'envoient des poses. Bon, je te mets la pose au cas où, mais rien à foutre. En gros, là, le problème, c'est qu'on est rentré dans son jeu premier degré, tête baissée. Il doit être plus malin. Normalement, c'est lui qui nous court après, et là, sinon, on le court après. Bah non, là, c'est... En fait, là, oui, il a pris une avance avec le kidnapping de Carla. Ouais. On a été vraiment trop bêtes, sérieux. Hein. Bah ouais. Mais en fait, je vais pas te mentir, j'étais pas concentré, j'écoutais pas quand ils ont dit rendez-vous. Non, le truc, c'est juste le fait qu'on ait oublié que Ace soit revenu dans les keufs. C'est juste ça qui nous a baisé. Parce que de base, t'as vu, on s'est dit, ouais, Carla, il y a rien, tu vois, c'est une Changreta, rien à voir, tu vois. Close force, mon frère Guido. Attends, je l'envoie une balle. Ah, c'est une balle, ça. Ouais. C'est une balle. Dans tous les cas, on peut pas sortir dans le dernier, là. Le délire de gros oies, cartes, ça, c'est mort. Ce que je sais, c'est qu'ils ont fait. Ils ont fait Alderney, Bronx, Alderney. Ils étaient là. Je sais pas, Radamel. Non, ça, c'est les moments où, voilà, faut forcer, quoi. Faut être attentif à chaque fois, tout le temps. Peut-être là, ça peut durer 2 heures, comme là, tout de suite, 1 minute, là. Ouais, mais le problème, c'est qu'en plus, le dernier fermé, tout le monde bloqué. Il y a 4 gangs qui sont bloqués. Enfin, 3, plus... non, 2 plus nous. Mais les 50, ils sont efficaces, apparemment, ce qui m'a dit. Le dernier, ça va être miné à la mort. Faudrait changer de voiture, déjà, quoi. Oui, mon cœur. Hein. Ça va, super. Ça va et toi? T'es senti devant? Oui, ça va, super. Tu fais quoi? Actuellement, je suis en patrouille. Je voulais te voir par rapport à la dernière fois. Ok, où ça? Attends, je vais. Tu sais quoi? Parce que j'ai pas envie que tu me fasses un guet-apens, parce que là, tu es redevenu un poyos, non? Et ils t'en ont pas voulu, ils t'ont rien dit? Si. Quoi? Énormément. Et du coup, quoi, tu redeviens Poyos normal? Donc tu vas plus nous aider. Juste, voilà. Ok, ben... Mal au ventre et tout, donc je fais attention à ma ligne, t'inquiète pas. T'as mal au ventre, donc tu fais attention à ta ligne? Ouais, je fais attention à ma ligne. Alors j'ai vomi 4 fois. T'as vomi 4 fois? Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes là, je comprends pas. Le mon 10-6, ok, sûr. Enfin, mon 10-10 ou 10-6. À une soirée, je sais pas, triangle, un truc comme ça, ça te dit? Oui, vas-y, c'est bon, parfait. Pas de soucis, à tout à l'heure. Ça c'est... Rebecca et tout, je crois. Y'a plus de barrage. Ils viennent de passer, les flics à gauche. Je crois qu'ils contrôlent des gens encore, c'est pour ça là. Ça passe une grosse voix de beauf et on tente. Ouais, vas-y. Passez juste à gauche discrètement, passe juste à gauche, ils ont fait un accident. La moto va bien, si vous, quelqu'un voulait savoir, hein. La moto ça va bien. Ça marche, merci. Au calme. Ah, ça va. Petit accident. Ok. De toute façon, il y a les flics derrière, donc roule quand même doucement. Super. Bon, cette île, hein, mais bon. Moi, j'en suis, ils sont restés à le dernier, c'est chiant. Qui a les traînés, m'ont dit, ils sont en train de gérer. T'es sûr que c'est pas un guet-apens encore? Ben, on verra bien. Mais viens, on l'attend pas à l'endroit où tu l'as envoyé la poste, quoi. Non. Je l'ai envoyé un peu avant, t'inquiète. On prend pas pour aller à Mongol. Je suis expert en cavale. Écoute, je sais jamais, hein. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai les paroles de Vertigo, ce qu'il a dit dans ma tête. Il tourne. Essayez de pas mourir. Tu vois, je me dis, je peux pas faire ça ce soir, il va péter un câble. Moi, j'aime trop le risque, Luis. Je vis pour ça. Bon, je te vois venir, hein. Si Carla elle meurt ou autre, commence pas à aller sur Rebecca. Hein. Pourquoi? Parce que là, moi, on est mariés. Et alors, ça existe le divorce? Non. Ouais. Chez le Vagos, c'est la mort ou le mariage. Oui. L'adultère, ça existe aussi, hermano. Après devoir couper les couilles, je vais te couper le tuyau. Mais attends, toi, t'as pas de couilles, toi? Aussi, Luis? Bon, ouais, moi, je vais aller en Turquie faire des implants. Ah, en Turquie? Ankara, ouais. Pamukkale, tout ça? Ouais, c'est ça. Ouais. T'as raison. Attends, je te rappelle, moi, j'ai un flic qui a monté dans ma voiture, là. Vas-y, grimpe. Braquage, tu connais. Dans le coffre?
Okay, non. C'est bon, il y a une place. Tu le fouilles, Louis? Ouais. Chope ma radio. Alors, s'il te plaît, je veux bien que tu me donnes une arme de service. Tu veux quoi? Mon arme de service. Ta petite arme de service, ouais, je vais quand même prendre ta radio au cas où, ton téléphone. C'est quoi ça, ce que je sens le long de ta jambe là? Un couteau? Ça, c'est mon fusil à pompe, ça. Oh, bah, je veux bien le prendre aussi. Je veux bien que tu me donnes tes armes quand même. Ton 12, hein. Et par précaution. J'avais en gros, 36, donc c'est... ils ont fait alterner Bronx, alterner. Ah, bah, je veux que tu mettes. Soit ils sont ici, ils sont dans le sud. C'est la première fois que. Ok, donc là t'as plus. Oui, allô. Oui, Mikolasson. T'as plus rien normalement. Là, ce qui va se passer. Taisez-vous, je suis au téléphone, par favor. Je t'écoute. Ce qui va se passer, ok. Oui. C'est que là, ils vont dire ce qui va se passer, oui. Quoi? Tu parles à moi? Oui, bah en gros, si tu viens pas, je meurs. Si tu viens pas où? Je sais même pas où tu es. Faut que tu te rendes au poste de police. Au poste de police? Je me rends au poste de police? Non. Mmh. En gros, c'est ma famille qui va m'exécuter. Sympa, hein. Parce qu'ils vont m'emmener à ma famille et ils lui ont dit qu'on était mariés. Ça va et toi? Attends, il a le téléphone. Ah, la DEWA te ramène à ta famille? Et ils vont me tuer. Ils leur ont dit. Il y a le haut-parleur? Non. Tu es plutôt au milieu ou plutôt à gauche? Comme il. Attends, putain, ouais, c'est dur à dire. Essaye de. Je t'aime si elle est sur l'île de gauche. Non, mais en gros, je lui. Mais qu'est-ce que vous dites? Je lui dis pas. Mais je lui dis pas de position à tutti quanti. Non, je crois qu'ils ont grillé. Mon petit Ace. Ça va? Ace, en gros, je t'explique un petit peu pourquoi tu es dans la voiture. Démasque-toi. Démasque-toi et rabis-toi en poyo, s'il te plaît. En gros, là, je vais continuer à chercher. Sauf que si jamais on les voit, je vais te braquer. Tu vas être ma monnaie d'échange contre le Carla. Oui, parce qu'il y a certains de vos agents qui s'amusent à faire des prises d'otages pour mettre pression. J'ai pas perçu d'indice. J'ai pas adhéré. J'ai pas capté d'indice du coup. S'autorisé chez les boyos? T'as dit quoi? S'autorisé chez. La DOA, je crois, ils font ce qu'ils veulent. Mais en gros, Louis. Pour moi, ouais. Arden. Oh. Ok, j'ai cru encore. Ardenne, Bronx, Alderne. Là, t'es imposé total. Bah ouais. Okay. Non, et sur cette île, tu vas où? Bah oui, dans les cars cachés à l'aéroport. Où? Où? Où là où on allait tout à l'heure. C'est où qu'on allait tout à l'heure? Dans les villas. Les villas? Tout dans le sud. Ah oui, ok, d'accord. Pour moi, c'est deux endroits que tu ferais. Tu peux dire à Rebecca d'aller voir les villas? Elle allait dormir. Non, il reste qui? Santi? Santi. Bien Santi? Posez-vous vite, je vous parle là. Qu'on se pose? Tu veux dire, c'est-à-dire on se pose? Ouais, je vais vous parler, mais sans que l'autre il entend. Bouge-toi les oreilles, Ace. Je fais ça. Je dois garde. Ok. Oh, tu as épais. Oh, les Shangri-Tai se sont. Balikou. Il y a. Okay. Comment ça s'appelle? Il y a les 50 et ils sont en train de suivre les. La DOA là. Ah? Donc, go sur eux. Mais où? Attends. Là, je vais l'appeler. Allô? Ouais, tu les as là? Dis-moi juste ils sont vers où. Ok, dis-moi vers où là. Mécano d'Alderney, ok. Ok, bah vas-y. Attends, tu te fais suivre ou vous les suivez? Et comme t'as l'air, demande-lui bien s'il est sûr que c'est la DOA. Vas-y. Hey, je vais trouver un endroit et je vais t'envoyer la pause. Vous me les ramenez là-bas, ok? Et les attirer pour l'instant, c'est bon? Vas-y. Et là, ils sont en train de chasser des 50, ça veut dire que même appeler la DOA? C'est impossible, c'est impossible, Armando. Ils sont un quart là? Mais pourquoi il me dit ça? Mais c'est, je parle. Ou alors, soit c'est un leurre, soit c'est pas. C'est un problème. Je vais l'appeler, je vais lui demander si c'est bien DOA. Ils chasseraient pas des 50, c'est impossible. Du coup, il y a le père de Carra qui s'est évadé de prison. Hein. Jamais. J'en ai marre. Il peut se déboucher les oreilles ou pas? Attends. Attends, je lui fais je lui fais signe que non alors. Bah, va quand même, mécano d'Alderney, Miguel. Je pense pas que ce soit le dernier. Et ça me casse les couilles d'y aller, je te promets. Ok. Allo? T'es sûr que ce soit des mecs DOA, t'es sûr? Buffalo. Et c'est voilà, t'as vu, je te l'ai dit, c'est sûr. C'est pas la buff. Ah, gilet. Ouais, mais. Ouais, ok. Mais gilet DOA? En gros, il y a moyen que ce soit vraiment pas eux, tu vois, donc c'est pour ça. Donc. Je pense pas, hein. Écoute-moi. Si vraiment t'as vu, t'es dans la possibilité d'en péter un, pète, et tu me rappelles. Ah ouais? Ok, bah vas-y, je te rappelle. Ah ouais, en fait, je t'ai pas dit, mais du coup, les Trini, ils ont arraché des flics. Ok, ouais, mais je pense que c'est un leurre, hein. Et là, ils sont. Mais c'est une Buffalo, mais Buffalo, c'est pas. Après, à tout moment, ils ont changé de voiture bizarre, parce qu'on les connaît trop, leur voiture. Non, ils changent pas. Regardez bien les cotes. J'ai envoyé un message à Santi parce qu'il me répond plus, alors je l'ai envoyé là-bas, là. Oui, tu peux. Ah, mais tapote-le.
C'est bon, okay. Je tapote. En gros, là, pour moi, Radamel, ils sont ni ni à Dernay, ni dans le Bronx. Vous cherchez quoi précisément? La DOA. La DOA. Qui détient Carla en otage et qui veut la tuer. Tu comprends pourquoi je suis énervé? Un descriptif d'une. Enfin, oui. Camille ne répond même pas au téléphone. On a surpris des gens qui cherchaient aussi Camille. Attends, regardez bien ici, là, vite fait, ta compasse. Je regarde en bas. On a cherché sur Aldarnay. Oui, on a cherché, on les a trouvés, ouais, on les a trouvés trois fois. Sur trois rendez-vous. Ici, c'est à limite impossible qu'ils soient en dessous. Lui, donc. C'est que tout, au tout début, tu sais comment c'était tellement utilisé oui. Ici. Oui. Là, on garde un bateau là. Merde, oh là là. Merde. Okay, super, bon, super. Carré. C'est maîtrisé. Regarde bien à droite, un petit coup quand même pour être sûr. Ouais. Y'a rien? Non. T'es sûr? En vrai. En vrai, ça aurait été bien là. Je vais revoir au parking. Parking et peut-être usine de taxi, tout ça, tout dans le sud aussi. Skate park, tout ça. Louis? Oui. Y'a bien les photos que j'ai mis sur le camion? Non, y'a plus la mienne. Ah. Y'a plus la tienne, si, la tienne. Non. Si. Non, le rue, il a pris ma place. Ah ouais? Ouais. Oui, non, mais je te parle sur le camion, je te parle pas sur Yandere. Bah, du coup, on les voit plus. Regarde le camion à gauche, il n'y a plus ma tête. Regarde non, là. Là, c'est Vertigo et encore, c'est même pas le bon coin. Ouais, je vois, moi, je vois plus rien. Ah, terrible. Ah, ouais, il a, faut que tu remettes. Faut que tu me remettes à la place de l'Orion. Non, parce que t'étais pas là le jour. Aïe. T'étais pas là le jour du braquage de la bande. Qui la te dit, j'étais totalement là, juste masqué. Ah, ouais. Et là, ce soir, je te prends en otage, toi, tu vois. Hop. Ah oui, là, faut que tu nous augmentes notre prime à tous les trois. Ah ouais? Miguel, il dépasse Vertigo. Et moi aussi, du coup. Tu me laisses mon téléphone pour faire ça? Putain, je peux pas envoyer Miguel. Un SMS au poker. Oui. On laisse le téléphone pour qu'il augmente nos primes ou pas? Non, attends, on s'en fout là pour l'instant. Ok, on s'en fout. Non. Ah bah les couilles. On n'allait pas en haut. Pourquoi? Il y a une voiture de patrouille, deux voitures de patrouille et une félone. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas ça c'est trop coaché. T'es fou, t'es vraiment fou, vraiment t'es malade. Ouais. L'amour t'es avec. T'es avec les trois hommes et puis rechercher de la ville. Bon ça tire. Ah ça tire dans le parking. Non va pas. Ça tire hein, ça se la donne hein. Ça ah, tire. Attends c'est le coaché ou pas? Oui c'est la DOA ça. Ouais. Ok. Ça c'est pas la DOA ça. Non. C'est pas. Riz, tu parles capitaine. Pas. Tu parles pas. On arrive. Monsieur, est-ce que vous pouvez circuler s'il vous plaît? Oui. Oui, monsieur. Je t'avais dit de pas aller là. Eh mais y'a une pute et m'attend au parking. Putain. Okay. Ça a tiré de baiser hein. Et Emma Sanchez. Faut pas qu'on reste ici, je pense. Et elle a dit, y en a qui sont partis à la nage. Oh là là, on est obligé de remonter là. Miguel, il y a un peu de monde. Tout ouais. Faut que je dors moi. Ah bah c'est vous. Je suis la même, moi si on me voit avec vous, je suis foutu. Je te redonne ta G36 et tu nous aides. Clairement, si vous le faites, bah. Franchement, c'est ça. Hein. Ah, c'est barré la meuf? Faut arrêter de me spam, hein. T'arrêtes, bon, je te le dis, hein. Allô? Allô, c'est Carla, oh, s'il putain. Te plaît, viens me chercher. J'ai réussi à me barrer. D'accord. Je cours, tais-toi, arrête de paniquer. Il y a les deux voitures de la DOA qui sont sur moi. T'as juste à marcher, change-toi, et tu marches, tu t'assois quelque part, tu attends. Non, cours pas. En gros, tu te changes, tu t'assois quelque part, tu attends. Mais il y a une voiture derrière moi, de la police. Ils te suivent? Ils savent que tu es? Oui. Dis-lui d'aller à Middle Park. Parce qu'en gros, si tu veux... Attends. Ouais, vas-y. Ah, c'est Santi, je suis avec Santi. Vite, cours. Ok, bah super, bah voilà, tu montes avec Santi et moi je sème les poyos, d'accord? Oh, ma mia. Ok, Carla, elle s'est évadée. Et elle est avec okay. Santi. Arrête-toi. Continue à tourner, les traînées vont bientôt arriver. Radamel, pareil, on voit que des poses, hein. Prends ton temps, mes belles. Arrête-toi. Fais le gros 6. Ils sont combien dedans, là? Ils sont 4, 3? Écoute, les traînées vont nous faire un plan. Et on va tourner sur les... Et au lieu de s'évader, après le plan, on va tourner sur la DOA pour les péter. Et roule tranquille. Faut temporiser, là. D'accord. Radamel, t'as appelé les autres gangs?
Ouais, ouais, c'est bon, je leur ai fait un message. Et pourquoi là, y'a pas un putain d'hélico avec un aimant qui vient vous sauver là? Parce que là, c'est pas prévu. Qu'une couche là, elle est notre. Ils t'ont vu aussi? Ils m'ont vu encore là? Oui. Ouais. Continue, continue. Je les ai éteints, je te jure, je les ai éteints. Là, ouais. Continue, continue, bombarde, je te dis. Que tu peux. Ah non, Miguel, t'es bon, je sais. Non. Attends, attends, pas fini? Franchement, j'avoue, t'es bon. Non, Miguel, j'aime trop quand. Attendez, attendez, c'est pas fini, pour favor, me posez, posez, pareil, pitié. Ok, on a récupéré Carla. Appelle Santi, demande-leur où ils sont. Du coup, ouais, t'as rien entendu. Miguel. T'as dit quoi? Vaut mieux lâcher la coachée là. Ouais, vous oui, pas, oui, 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 on va la lâcher là. Pour ça, là, là, gauche, ouais, voilà. À quel bureau? Ok, vas-y. Vas-y, on te rejoint là-bas. Change. Il va au truc où il y a les requins. Le truc où il y a les requins? Oui, mais on va pas y aller avec Ace. Ah oui, ok, ok. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Il faut qu'on lâche, putain. Ah, on est obligé, les gars. Va là, au nouveau barrio, on a une voiture dedans encore. Hein. Non, mais faut que je passe le pont là. Ouais, faut bombarder le pont. Les gars, vraiment, vraiment, vas-y, viens, viens, on lâche la coachée là, viens, merde. Oui. Go, celle-là, go, prends celle-là par exemple, celle qui est devant nous. Radom, elle met un sac sur la tête, s'il te plaît. Attends, on voit le sac leader. Super sympa, merci. Tiens, hop, je le mets sur la tête, je le serre, je fais un bon petit nœud. Et si tu respires, non, bah. Je peux respirer. Grosse, grosse force. Et mon but, c'est que tu meurs aussi, pendejo. Parce que maintenant, je suis en train de vous aider. Donc, c'est bon, c'est, j'ai ouvert un petit peu là. T'arrives là, c'est bon. Mets-moi le GPS de là où c'est, Louis, s'il te plaît. Walid n'a qu'à bien se tenir. Je connais les têtes. On va à gauche là. D'accord. À gauche droite. Walid n'a qu'à bien se tenir, les frères. Je prends la confiance là. Hein. Non, non, là, il y a un excès de zèle là quand même. Ok, pardon, pardon. Tu prends à gauche. T'as qu'à me prévenir. Non, va tout droit, va tout droit, va tout droit. Et pas entier. Vu que t'as raté le tournant, va tout droit. Je m'adapte à toi. Carla, ah, mi corazón, wouhou! J'ai trop peur, mi amor. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es en vie là, enfin? Je sais pas, j'ai vraiment. En gros, je t'explique. Donc, je me suis fait passer pour otage. Otage par rapport à qui? En gros, la police, ils ont fait un barrage, ils sont allés choper tous les Shangri-La sur le parking. Ouais, je pense pas que vous êtes en danger, Zénia. Et en gros, ils m'ont dit, en fait, avant d'y aller, ils m'ont dit oui, ta famille va te tuer, on va te donner à eux, c'est eux qui te tueront et tout. La DOA m'ont dit. D'accord. J'ai dit non, mais je veux pas y aller et tout. Ils m'ont emmené là-bas et en fait, en m'emmenant là-bas, ils ont vu qu'ils leur tendaient un guet-apens. Ta famille? Ils ont barré la route, ils ont appelé toute la police. Ta famille? Si. La okay. famille tendait un guet-apens à la police. La police, ils sont tous venus et tout ça. Ils ont fait un barrage, ils sont allés vers la familia et tout. Quanti. Et en gros, moi, il y a une autre voiture derrière. Je suis sortie de la machina et j'ai dit je suis prise en otage par les gens là-bas. Per favore, aidez-moi, emmenez-moi à l'hôpital, je suis blessée. Les et poyos? Je leur ai dit avant, si je leur ai dit ça à la police. Avant, laissez-moi acheter un téléphone, per favore, il faut que je prévienne ma famille. C'est là que je t'appelle? Tu répondais pas au début, j'ai stressé, putain, je t'appelais oui. plein de fois. Et la en plus, j'avais trop la haine, je me suis dit putain, mais les gens, j'étais en train de dire putain, je réponds pas une fois, deux fois, pourquoi tu forces? En fait, c'était toi. Et ok, ah, là, bah, vraiment, super. J'ai grave... Mais ils voulaient quoi de toi, la DOA? Ils voulaient te faire arrêter. En gros, il fallait pas que tu viennes, hein, parce que si tu venais, ils allaient te faire. En gros, la position qu'ils t'avaient envoyée. Ouais, mais même la position qu'ils allaient t'envoyer, ils allaient bloquer tous les ponts et vous avoir tous. Oui, vous tuer. C'est que là, il y avait trois voitures derrière nous, on a failli les attraper aussi. Et ils ont dit à ma familia qu'on était mariés. Donc c'est sûr que quand ils ont dit au téléphone qu'ils voulaient me tuer. De merde. Oui, Kabilo. Ta femme, t'es content? J'ai récupéré ma femme. Ah. Attends, ils ont pas récupéré la fille. Elle est où là? Oh, au revoir. Attends, c'est Vadar? Ah, putain, mais. Ta gueule, regarde, j'étais. Ta gueule. J'étais devant le commissariat. J'étais devant le commissariat, j'étais prêt à me rendre pour que vous la libériez, mais elle s'est évadée. Oh là, regarde. Verrati, Miguel, mi corazón. Arrête, Carlo. Elle a réussi à vous filer. Il est dégoûté, il sait pas que je sais. Putain, c'est une dinguerie. C'est bien. Moi, d'abord, maintenant, je suis recherché par toute la police et par ma famille. Bah, hein. Ils savent qu'on est mariés. Hein. Et bah, vas-y, t'as pas une tendance à te faire dégrader C'est où T'as pas un truc pour se changer ici, Santi? Ah, si, tu vas connaître le dégradé, Carla, je te le dis. Non, mais je vais me changer de coupe de jeu, je vais faire la même que Rebecca. Les meufs, vous, c'est ça le problème, vous allez trop être fashion. Ouais, s'il vous plaît, un petit soda, s'il vous plaît. Pour éviter l'alcool, j'ai bu. Putain, sérieux, tu m'avais trop manqué, Carla, mi corazón. Tu es vraiment l'amour de ma vie. Tu es trop belle, Carla, mi corazón. Tu as pas eu trop peur, c'est bon, Carla? Bah, je t'assure que j'ai cru que j'allais en finir. Tu es vraiment la plus belle femme du monde, sérieux. Que tu disparaisses de la terre, ça, la terre, elle aurait perdu un point de charisme en entier. Rien que par ta faute. Vraiment, j'ai eu peur, hein, mi amor. Non, c'est toi, tu m'as. Voilà, putain. Okay. Embrasse-moi avec la langue. Putain, sérieux, tu embrasses trop bien, attends, Carla. Tu embrasses attends. Trop bien. Tiens, prends un mouchoir, il y a un filet. Non, sérieux, tu embrasses vraiment trop bien. C'est un truc de fou. Comment tu embrasses bien, Carla? Ouh, tu cries. Ah,
Parce que vraiment, je veux que le monde entier le sache qu'elle embrasse trop bien. Mais non, ils savent pas qu'on l'a récupéré. Il faut pas que la DOA sache que la Carla est avec nous. C'est où qu'elle peut se changer? Dans les chambres peut-être. Non. Vas-y, viens Carla. La vie de ma mère, demain il va arriver. Laisse tomber. Quoi? Vertigo demain va péter sa bite. Ça y est, c'est nous le top 3. Top 3 recherché, c'est nous 3. C'est quoi ici? Vertigo il va rager de ouf. Mais il est en train de changer là. Viens Carla, viens. Eh les hermano, il faut que personne sache que Carla est avec nous. Sinon ça va se savoir. Là ils savent, en gros, Camilo, vous m'entendez tous? Oui, oui. Vu qu'il y a la porte, on sait jamais. Camilo, il m'a dit, alors t'as récupéré ta femme? J'ai dit, hein, j'ai récupéré ma femme. Il a dit, oh, Miguel il l'a pas récupéré, Miguel il l'a pas récupéré. Tu vois, genre, il était, oui, il était en mode, on continue à le rechercher. Ouais. Viens Carla, viens. Top 3 des personnes les plus recherchées par le LCPD, Luis, Radamel, Miguel, prix 1,5 million. C'est un truc, désolé. T'as dit quoi? Pas du tout, pour être méconnaissant. Oui, il faut que tu sois habillé un peu, genre, pas trop italienne, tu vois, plutôt... Faut que je trouve un sweat, un truc comme ça. Et toi, tu as eu peur? Pour toi ou pour moi? Pour les deux. Mais bien sûr que j'ai eu peur. Tu vois, ça, votre problème, les filles. Vous aimez trop qu'on vous montre qu'on tient à vous. Oui, je suis marié avec toi, c'est que je tiens à toi. Non, là, t'es trop moche, là. Quand même, reste un peu belle. Ah oui, c'est trop moche. Attends, mais déjà, je vais mettre... Attends. Tu peux mettre une jupe avec des chaussettes hautes? Non, c'est... Alors, c'est horrible, horrible. Quoi? Mais c'est trop moche! Tu es sérieuse? T'aimes les jupes normales? Attends, bouge pas, laisse-moi, je vais t'habiller moi. Non mais vraiment, habille-moi correctement. D'accord, je t'habille correctement. Oh, oui, on est là, on se change. Allez, je vais me changer, je fais vite fait. Voilà, ça c'est bien. T'aimes bien ça? C'est horrible, s'il te plaît. Non, là tu peux pas, c'est trop moche. Mais habille-moi correctement. En plus, la jupe blanche là que je mettais avant, elle était jolie. Ça, super. Ça c'est bien, ça. S'il te plaît, mets-moi face à Miguel. C'est trop moche. Miguel, c'est horrible. Mais non, c'est pas horrible. Mais c'est trop moche. C'est moi qui décide. Pas... Arrête, s'il te plaît. Miguel, je rigole pas. C'est trop moche. Arrête, c'est trop moche. Comme ça, c'est parfait. Il te faudrait un sweat comme ça. Mais c'est trop moche. Mais me mets pas cette jupe. Hein. Mais pourquoi? C'est parce que j'aime pas. C'est moche. Mais... Pitié! C'est trop moche! J'ai que ça comme bas. Ici, là, à la maison, il y a que ça. Il y a que la jupe et les chaussettes. Les horaires. Je te déteste. C'est trop moche, mais t'as aucun goût. Mais c'est encore pire. Arrête, non, mais tu rigoles. Mais tu es sérieuse? C'est mignon. Vas-y, habille-moi. Vas-y, fais une tenue. Vas-y, habille-moi. Bah oui. Je t'habille après, du coup. D'accord, hein? Si tu veux. Vas-y, si tu veux. Ah, mais non, tu pourras pas m'habiller, toi. Comme ça, c'est bien? Oui. Carla, faudrait que tu viennes, il y a ton père. Quoi? Son père? Ouais, mais Miguel, attends là 30 secondes. T'as vu, il a dit qu'il voudrait la voir juste elle. Attends, Carla, mets un truc et viens, s'il te plaît, rapidement. Pourquoi tu es morte? Attends, je suis sur un vrai bail. Mais pourquoi vous lui avez dit de venir? C'est pas ça, faut que tu te dépêches. Attends, vous lui avez dit de venir? Ton père, il va te tuer? La police m'a dit qu'il voulait me tuer. Et ils leur ont dit pour le mariage au téléphone. Y'a pas un short avec des chaussettes comme ça? Ok, super. Par contre, je vais pas me faire tirer dessus, moi. Faut qu'elle se dépêche. Voilà, super. Mais normal, il veut me tuer. Tu es parfait. Allez, c'est bon, tu peux sortir. Miguel, on t'appelle quand c'est bon. Attends, je viens pas, moi? Non, vraiment pas. On t'appelle quand c'est bon. D'accord. Vas-y, viens. T'inquiète, Miguel. Allez, viens, il est là-bas. Non, il est pas là, ton père. Ah. Reste tranquille. Pourquoi vous faites ça comme prière? Non, mais c'est pas pour toi. Regardez c'est... comment il m'a habillé, c'est horrible. Oui. Ah. Oui, je suis là. Non, vraiment, pour de vrai, c'est une question. Quoi? Il te plaît vraiment? Tu as une question? Oui, il te plaît vraiment. Qui me plaît? Carla. Bien sûr, pourquoi? Parce que si je l'ai fait, c'est pas pour Carla, c'est pour toi. Si tu as fait quoi? Ben là, tout ce que je suis en train de faire. Tout ce que tu es en train de faire quoi? Le mec ingrat, ça. Tous mes collègues, leur mentir et me laisser prendre par toi, par les vagos et me faire traîner dans tout le bout de la ville juste pour vous, juste pour toi. Non mais oui, elle me plaît vraiment, mais toi aussi, ça veut pas dire que l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, mais t'es marié, Miguel. On m'a fait comprendre que t'étais marié avec elle. Mais non, je suis pas vraiment marié, c'est plus genre des fiançailles, tu vois. Ouais. Je suis censé prendre comment? Bah... Parce que quand même, il me fait qu'on s'en moque. Arrête, Ace. Ne rentre pas dans ce jeu-là avec moi.
Ace, prends ton mal en patience. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire, et après, une fois que j'aurai fait tout ce que j'aurai à faire, on pourra faire tout ce que nous on a à faire, d'accord? Mais attends, écoute, je ferai quoi le jour où mes collègues ils braqueront et qu'ils seront... ils auront l'ordre d'abattre? Tu sortiras ton arme et tu la tireras dessus à mes côtés. Mais t'es malade, je me ferai abattre sur l'instant. Tu le feras, d'accord, Ace? D'accord? J'essaierai, mais non, je te garantirai pas que tu tirerais sur mes collègues. Je ferai des tirs pour diversion, mais je leur tirerai pas dessus. D'accord, ça marche. Je te jure, je le ferai pas. Super. Je ferai jamais ça, je pourrais pas. Mais t'es conscient que là, ce que tu me demandes de faire à l'heure actuelle, c'est quand même... Ça va aller, courage. Courage. Ouais. Tu es un bon garçon, d'accord? Tu m'as littéralement demandé de trahir mes collègues pour sauver ta meuf. Oui. Que je suis encore sur toi depuis... Mais voilà, fois, tu te souviens? Oui, je m'en rappelle. Merci. Tu me prends pour un débile. Merci encore, Ace. Tu me prends pour un con. Non, je te prends pas pour un con. Pourquoi je te prendrais pour un con? Tu me tapotes sur les potes et tu me dis merci. Mais non, c'est genre. Non, c'était pas lui, Miguel de la Fofolle. C'est genre. Mais pourquoi ça serait lui, Miguel de la Fofolle? Qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez qu'il est amoureux de moi à HRP? Non, c'est justement, c'est genre une petit signe de touchage entre toi et moi, tu vois. Comment... Donc, voilà, un petit signe d'affection. En attendant, c'est pas avec moi que tu dors. Donc... Ça commence par une tapote à l'épaule et après on. On sait jamais sur quoi ça finira, Ace. Carla, t'es allé la voir et tu l'as fait. Chut. Et une petite tape sur les Au tout début, oui. Et tu crois que je vais avaler ça? Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je me suis attaché les cheveux, mais pas pour ce que tu crois. Hein. C'est juste pour être le plus à l'aise. J'ai compris, t'inquiète. Du coup, là, c'est quoi la suite? Pour moi et pour toi. Bah, je sais pas trop. C'est pas trop? Non, je sais pas trop. Faut me dire, parce que moi, je pense pas rester comme ça longtemps. Moi, c'est pas moi. Je suis pas le mec qui crée les plans, moi. Moi, une fois qu'on est dans le plan. Je trouve les solutions, tu vois un petit peu. C'est quand même toi à chaque fois qu'il m'appelle. Oui, mais c'est jamais mes idées, tu comprends? Moi, je suis un très bon exécutif. Genre vraiment, j'exécute très bien. Mais je suis pas un créateur. Il faudra que tu le deviennes un jour. Parce que si un de tes collègues qui lead tombe, tu seras tout seul. Ça c'est bien vrai. Bon, par contre, je sais pas ce qui branle. J'aimerais bien sortir de cette pièce. Non pas que ça soit désagréable d'être à tes côtés, mais d'être trop à tes côtés pendant trop longtemps, je peux me sentir mal à l'aise au bout d'un moment. Je suis flic au fond. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est parce que tu es flic. Tu es flic là encore aujourd'hui? Oui, est-ce que tu penses que je suis. Il est parti, Miguel. Il est parti, son père? Oui, il est parti. Mais il voulait quoi? Non, mais sérieux, tu es trop belle! Oh là, attends, laisse-moi te prendre en photo, recule un peu, recule un peu. Recule, je te prends en photo, s'il te plaît. Je te prends en photo au cas où tu la supprimes. Attends, recule encore. Moi, toi, je regarde. Hey, tu veux voir? Là, parfait. Au cas où il supprime. Non, mais par contre, je rigole pas, Miguel. Mais pourquoi tu es superbe? T'aime pas, c'est moche! Vas-y, bah laisse-moi t'habiller alors. Je vais t'habiller moche comme ça. Mais non, parce que moi, mon intention c'était pas de t'habiller moche, moi c'était de t'habiller bien. C'est trop moche. Mais tu es trop kawaii, sérieux. Mais en vrai, regarde. Une petite écolière. Comment les trucs dans les animés. Là, tu vas à la Japan Expo. C'est pas ton nom. S'il te plaît, papa, d'accord. Bien. Autrement là, correct. Ça me fait pas rire, Miguel, ça me fait pas rire. Trop moche. C'est quoi que tu aimes pas? C'est les chaussettes? C'est la jupe, mais moi, mais si tu vas me mettre une jupe, mais même le sweat. Mais non, le sweat, il est très bien. On dirait une clocharde. Non, là, tu abuses. Le haut, il est très bien. Et il faut que ça soit différent du style que tu as d'habitude, tu vois, comme ça, c'est bien. Mais au moins, ça change, tu comprends? Non, le haut, il était très bien, sérieux. Ça fait voir ton cul? T'as pas un gros cul, là? C'est un gros cul ou pas ça, je sais pas. Non, j'ai pas un gros cul. D'accord. Ça. Ah, ça va, tu vois, mais mes jambes, regarde, on dirait qu'elles sont blanches. Tes jambes, on dirait qu'elles sont blanches. Oui, regarde, enlève-moi les chaussures, regarde, tu verras. Mes pieds sont plus foncés, regarde, c'est pas... On dirait que j'ai un collant, c'est trop moche. Non, moi j'aime bien. Non, ça va. Mais mes modes de basket, c'est moche. Toi, t'es une mine de rien, toi tu t'habilles trop classe. Pardon. Aïe. Pardon. Tu t'habilles trop, toi tu m'habilles trop moche. Avec le gros bide. Mais même ça c'est moche. Vas-y Miguel, laisse-moi m'habiller, par favor. Ça c'est très bien ça, non? Miguel, laisse-moi m'habiller. Mais je vois c'est laquelle, c'est celle qui tombe et tout, manche longue. Ça ouais. Tu vas me dire que t'aimes pas ça? Si, ça c'est très joli, ça va. D'accord. Très joli, ça va, c'est joli. Ok. Mais là c'est pas possible les couleurs. Non mais là vas-y, mets-moi un vrai truc. Un vrai pantalon, un vrai haut. T'as dit quoi, Sanji? Vas-y, je dis rien, je vais péter un cas. Attends, je sais, c'est bon, comment je vais t'habiller? Mais pourquoi tu trouves ça ridicule de quand quelqu'un s'habille en femme? Non, mais s'il y a un débardeur de meufs, les mecs.
Écoute, tu veux qu'on te reconnaisse ou tu veux pas qu'on te reconnaisse? Mais mets-moi un beau survêtement. Non, tu me laisses faire, c'est moi. Là, ça y est, c'est bon. C'est moi le chef. C'est moi qui porte la culotte cette fois. La dictature a assez duré. Mais tu m'as fait comme une merde. Tu m'as fait comme une merde, Miguel. Non, s'il te plaît, habille-moi pas comme ça, je t'en Venez voir. Arrête, Venez voir. T'en restes, mets-toi là-bas, regarde. Regardez, vous aimez bien? On est d'accord, mais voilà, merci. Non, c'est trop gang. Non, on dirait pas Vertigo. S'il te plaît, laisse-moi m'habiller. Si, on dirait Vertigo. Arrête. Maman, Miguel, je rigole pas là. Ok, attends, laisse-moi encore essayer, laisse-moi encore, revois là-bas. Miguel, en ce moment, t'aimes bien les tenues, tout ça, non? Ben en fait, les filles, elles ont trop de beaux vêtements, mais on dirait que vous osez pas mettre des beaux vêtements. Ouais, ça c'est véridique. Fact. T'as l'air le pull qu'elle avait, elle me dit qu'il était moche le pull qu'elle avait alors qu'il était beau. Non, il était beau le pull, c'est juste les trucs de chat, c'était pas ouf. Mais le pull était beau. Oui, les trucs de chat, oui, c'était marrant, mais attends, tu vois. Mais vous avez fait. Il y a le pull où elle est enceinte. Ah oui, en fait, hier. Mais non, Miguel, ça c'est bien ça, bordel! Oh! Mais la bretelle est coupée! Les Indiens, ils sont passés dans la case, quoi? Les indigènes, ils sont passés dans sa case. Ils ont fait quoi? Ah là, elle est déjà en mode grossesse. Hein. Ils ont accéléré les triplés, là. Oh merde, des triplés. Recule un peu de moi, là, tu m'oppresses. Dire qu'on a laissé l'autre. J'y crois pas, c'est Miguel qui me relook. Moi, je veux bien que tu m'habilles, mais méconnaisse. Non, je n'y pense même pas. Mais je cherche des trucs. Le sweat blanc. Écoute, toi, tu. En gros, tu vois, moi, je suis en cavale. Tu vois là comment je suis habillé? Ben j'aime pas. Tu comprends? Ça veut dire que. Bah pourtant ça va. Hein. Oui, pourtant ça va, mais j'ai plein de tenues que j'aime pas. Je te montrerai mes autres tenues. Et tu vas voir que. Le truc de camouflage, on l'a pas nous. Oui. C'est trop stylé. Et tu vas voir que, en gros, c'est bizarre, mais c'est comme ça qu'il faut s'habiller avec des trucs. Genre Radamel, tu crois, il aime bien comment il est habillé là? Louis, tu crois il aime bien? Pourtant, je suis le plus gros flexeur du gang. Un truc aléatoire. Je déteste comment je suis habillé. Ah, je crois que Miguel, il y a quelqu'un qui arrive pour toi là. Nous, on va peut-être sortir, venons ensemble. Ouais, on a un colis pour toi. Tu es magnifique, sérieux. Sérieux. Mais c'est pas la bonne jupe que tu as mis, Ace. C'est laquelle que je dois mettre? La noire, avec les chaussettes noires. Désolé. Pourquoi t'as regardé son cul en sortant? C'est une dinguerie, en fait, en vrai de vrai, les gars. Les gars, en... Il est allé où, lui? Trabajo, les gars, trabajo. Trabajo. Ersup. Mais pourquoi il y en a où tu as pas de jambes? Parce que, j'allais dire, faut peut-être aller comme dans bras, mais non. Ça, tu peux pas la mettre, cette jupe, vu que t'as pas de jambes, en gros? Comment ça marche? Non, tu peux pas. Regarde dans bras, à la fin mais de bras. Mais il y a une jupe dans les t-shirts. Ça s'enfile comme un t-shirt. Non, ça marche pas. Ils ont des gants et tout. Quoi? Bah, c'est incroyable. Il y a une jupe dans les t-shirts. Ah, oui, mais non. Ok, c'est pas ça que je veux, moi. Oh, le cul. Putain de merde. Eh, arrêtez de regarder, hein. Mais déjà, t'as vu, ça c'est trop bien. Les filles, elles ont des habits, genre, musclés et tout, genre. Alors que nous, on a juste... un gros bide. Non, des faux muscles. Ça, c'est bien. Tu le mets en noir. Faut arrêter le noir, t'as vu. Mais tout le temps en noir, tout le temps en noir. Un peu de joie. En vrai, je te jure, je serais un très... Putain, mais ça te fait un cul très moche, hein. Plus bordel. Oui, vas-y, s'il te plaît, ma note jean. Parce que là, ça met pas mon cul en valeur, comme t'as dit. Ça, c'est bien, ça. Non, c'est horrible. En plus, il y a les chaussettes, il y a tout. Et les chaussettes? Ah oui. En vrai, je serais un bon looker de femme, je pense. Vraiment. Ah, pas du tout. Désolé, mi amor, mais... Pas très bien. C'est horrible, mais bon. Bah, ça va, ça. En fait, tu as un cul un peu bizarre, mais ça va. Bah, oui. Non. Ah, je crois que j'entends quelqu'un, là. Non, c'est pas avec des talons, Aïs. Faut que tu mettes des baskets, bordel. Faut que tu mettes des baskets, pas des talons. Putain, ouais. Casse les Il est vraiment fou. Ah, ça fait pom-pom girl. Attends, là tu aimes pas là? Il m'habille comme une écossaise, on dirait une écossaise, sérieux. Mais attends, mais là tu aimes pas là? Ouh. Bah, elle a les jambes un peu blanches. Non, là t'es drip. Mais oui, on est d'accord, grazie mille, j'ai les jambes blanches, on dirait que je suis ma père comme un mort. Mais le survêt, la jaune, il était bien. Là tu es superbe, Ace. Banks. Tu es vraiment superbe. Pourquoi elle a poil là? Mais vraiment, hein? Tournez-vous s'il vous plaît. Mais pardon, c'est vrai, j'étais resté un peu. Ouais, c'est vrai, je tourne. Là, comme ça, tu aimes pas? Non. Putain. Ben, Ace, je vais sortir avec toi à la place, d'accord? Pardon?
Oui, ben. Elle, au moins, elle respecte mes choix, au moins. Fais pas comme toi. J'avoue qu'il y a grave match. Toi, tu veux te plaire à moi alors que Ace, il veut se plaire à moi. Toi, tu veux te plaire à toi alors que Ace, il veut se plaire à moi. Mais je vais pas mettre une mini. Donc, alors, attends. Oui, alors, si je mets une mini-jupe, du coup, la plupart des gens vont regarder, tu vois. C'est pas bien. Ah, y a un leggings, non, ils vont pas regarder, tu crois. Ça va rater, mais un survêt. Je pense qu'on regarde plus en jean qu'en jupe. Oui, là, on voit ma culotte et tu dis rien. Mais tu, mais le, là, le, on a d'autres problèmes, là. Là, il faut régler. Il faut que tu sois pas reconnaissable, en fait. Tu veux pas comprendre. Ça, c'est tu sais quoi, fais ce que tu veux. Allez, hop. Je fais ce que je veux, c'est bon. Sac tard. Sauf la jupe. Sauf la jupe. D'accord, sauf la jupe. Tu me laisses faire les sourcils. C'est bon, vas-y. Arrête avec tes sourcils. Avez-moi comme une clocharde, je te fais confiance. Ils ont repoussé mes sourcils. Ah, c'est bien, non? Là, le pantalon, je valide. Oui, mais tu peux pas mettre un survêt comme ça avec un haut comme tu as là, en gros. Il y a des trop moche là le haut, bah oui, c'est trop moche le haut. Mets-moi un sweat ou un truc comme ça. La jupe qui était avant là, putain, le combo était bien. Mais oui, je lui ai fait 3. Un milliard de belles tenues, un milliard. Non, mais elle a pas de goût, elle a pas de goût. Ça. Après, peut-être c'est un défaut de fabrique, hein, peut-être, c'est le problème. Regarde là, comme ça, petit rappel de rouge. Et t'as comme ça. Là, il y a 2-0 là. Là, c'est parfait. Tu es magnifique, Ace, tu es magnifique, je le jure. C'est gentil, merci. Là tu es impeccable. La petite paire de Alexander McQueen. Là tu es super là, non? Alors la coiffure, putain, ça me fait penser à... Ouais très bien. Ah, tu avais un autre perso qui avait la même coiffure? Ouais, mais vas-y, laisse tranquille. C'est pas grave. Non, ouais, mais fais un beau truc quand même. Des tresses, personne ne va la reconnaître avec des tresses. Là c'est bien, non? Oh non, pas ça, pas ça. Oui, mais là on te... Mais la queue, oui, la queue de cheval, c'était... Non, mais là on te reconnaît pas. Tu voulais qu'on te reconnaisse pas. La queue de cheval, on me reconnaît pas non plus. Enfin, en fait, Miguel, je t'aime bien, mais là tu fais peut-être un défaut de faciès de Camélia aussi. Oh, vraiment? Elle avait la même pas. Doudoune, elle avait la même coupe, il y avait tout pareil. Non, mais là, je sais pas si je fais exprès, mais là, il y a eu un problème. Il fait exprès. Je suis sûr qu'inconsciemment, je te dis qu'il y a moyen de faire exprès. C'est pas inconsciemment, là, Ok, attends, non, vraiment, là, je fais sérieux, Vas-y, mais fais sérieux. Mais moi, je suis sérieux, moi. Non. Miguel, il y a les DOA, quartier 50, tu veux qu'on barre là-bas ou pas? Non, c'est bon, moi, je vais se barrer après. Non, c'est bon. Trop de risques aujourd'hui, ouais. Oh, ça, le chignon, là, avec la tresse. Ça? Non, avant. Ça. Non, tu vas voir ça. Ah non, ça c'est trop moche, c'est trop moche. Oui, bah, tu vas voir ça. Le but c'est qu'on te reconnaisse pas encore une fois, Carla. Oui, mais pourquoi tu remets pas le truc avec les deux mèches là que je t'ai dit, j'avais le même truc qu'avant? C'est bien ça? Non. Est-ce que tu l'as dit? Ça. Mais pourquoi tu aimes pas les chignons? Bah ça c'est très bien. D'accord, ok, c'est bon, super. Pas, mais bon. Et attends, c'est moche. Non, c'est pas moche. Maman bon, tu vas pas me casser les couilles, sérieux. Tu vas vraiment pas me casser les coronets, c'est bon, là c'est des sidars. Là c'est des sidars, tu vas pas me casser les coronets, c'est bah, bon, je m'en fous, après c'est moi qui t'habille. Qui de quoi, vu que c'est toi qui as tout choisi? Hein? Et moi, pourquoi je choisirais pas chez toi? Parce que hein? C'est moi l'homme, je suis l'homme! Oui? Je suis l'homme! C'est toi qui portes les coronettes du couple! Oui! Non, hors de question, hein! Je t'ai dit, le vrai visage, il arrive! Oui, il arrive! Oui, moi, tu vas voir mon vrai visage, lequel ça va être! Oh, tu as vu, il y a deux t-shirts avec des tailles de seins différents! T'as vu? Petit sein, gros sein! Petit sein, gros sein! Recule un peu, tu m'oppresses! Merci pour ta wig! Oh non, si Ace, pourquoi tu veux pas rester? Miguel, oui. Et si on l'habillait A en agent de la DOA et Ace il a fait passer pour une nouvelle qui veut essayer à la DOA? Idée de merde ou... C'est idée de merde, ils vont reconnaître ma voix. Bon, j'ai ta voix. Regarde, nous on parle plus avec un accent. Moi je sais pas, parler sans accent. Moi je sais pas parler non plus sans accent. Attends, je risque comme Radamel fait la voix de bouffe. Mais vraiment j'aimerais bien être une fille pour avoir vos habits. Je serais une grosse chienne, sérieux. Arrête. Non mais c'est vrai, hein. Là, change. Là c'est bien, on dirait Lara Croft. Regarde, si je parle sans accent, ça va faire horrible. Bonjour, je suis Carla. Oui, lève les bras. T'es Lara Soft là. Carla. Lève le bras, garde le bras en l'air. Il faut aller tout à la fin. Carla Croft. C'est trop dur, tu veux que je parle en ralenti, on dirait un espèce. Oh, regarde, elles ont même des ventres différents. Oh, laisse ça, oui, j'ai le ventre plat comme ça, laisse. Non, ça c'est ok. Mais à faire des grossesses, hein, je crois, les gars. C'est un truc de fou, sérieux. Je suis pas encore enceinte. Si, les indiens. Oui, je suis enceinte, mais faut que je fasse l'échographie. Sexe, tu plais. Lève le bras. Lève le bras. Mais putain, mais tu as des trous. Comment tu fais pour mettre ce haut? Mais oui, bah change, allez, vas-y, change-moi ce t-shirt, tu vois bien qu'il y a des trous. C'est bon, parfait, super. Bon, il y a un rappel de rouge. Non, putain, les chaussures, j'avais pas vu le dos des chaussures, attends. Laisse-moi juste changer les chaussures. Ah ouais, l'orange bizarre. La coiffure horrible, je dis rien, mais c'est trop moche. Bah, c'est un chignon, tu veux faire quoi? Oh, j'en peux plus! Bah, laisse-moi choisir ma
quoi? Non, tu restes comme ça, tu restes comme ça. La journée, ça va être utile, le chignon, t'inquiète pas. Comment ça, je vais faire quoi? On va faire quoi? Camilo de merde, mais en gros, tu as fait quoi de Carla? Tu l'as tué? Dis-moi la vérité. Arrête d'être con, Miguel. Sa famille de merde, on dû la récupérer. Si c'est pas toi qui l'as, ni moi. Quelle famille? Italien de mes couilles, là. Mais ils l'ont récupéré, mais elle me répond pas au téléphone en plus à cause de toi. Mais son téléphone, elle l'a oublié dans notre voiture à nous. T'as vu, espèce de hijo de puta, maintenant ça se trouve, elle est morte par ta faute. Je vais déposer une plainte. Bah, enfin, Miguel, je doute que tu sois bien accueilli au commissariat. Je vais déposer une plainte via mon avocat. C'est pas possible. Ça marche pas une plainte par procuration. Mais bien sûr que. Bah, bon, mon avocat, il va porter plainte. Mais porter plainte de quoi? Porter plainte pour le meurtre. Oui, mais c'est vu que c'est l'avocat qui porte plainte, il y a conflit d'intérêt. Mais bien sûr que non, qu'est-ce que tu racontes? L'avocat ne pourra pas te défendre, ni défendre ce dossier. Tu racontes que de la merde. Non, j'ai fait une étude de droit. T'as fait une étude de droit? De doigt dans le cul que je vais te mettre, connard, tu vas voir. Allez, buenas, on va dormir? Je vais te rechercher pour ta tête. Mais attends, et Ace, il dort ici aussi, hein? C'est ça, il est... Oui, il dort ici, ouais, hein. Est-ce que je peux juste prévenir que tout va bien? Oui, oui, vas-y, dis-leur, je suis fatigué, je suis avec un mec, dis-leur. Santi, c'est où ma chambre? Tu peux... T'as les chambres où on se changeait, là. D'accord, c'est super. Là. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit, vous dites? Si, bonne nuit. Mais en fait, les Italiens, vous êtes comme nous, les Espagnols, mais enfin, moi, je suis pas vraiment espagnol. Vraiment, mais... c'est quasiment pareil, hein. Ok, je dors en haut. Ah non, c'est moi qui dors en haut. Ok, attends, je vais sortir un lit, attends. Ouais, vas-y, déplie le lit. Mais c'est un lit qui se déplie, là, regarde. Buenas, mi corazón. Oui, bonne nuit, mi amor. Bonne nuit. Bonne nuit toi-même, mi amor. Bonne nuit toi-même, mi amor. Non, bonne nuit toi encore plus. Par contre, est-ce que... Attends, juste un truc. Est-ce que c'est tu peux éviter de ronfler, s'il te plaît? Non, je vais pas éviter. Parce que ça me dérange énormément. D'accord, super, buenas. On est enfoncés dans le lit. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent. Juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais non pas eu les couilles de me chasser.